Ok, tu te mets en place, Thierry? Mais je suis en place. Non, tu fais une entrée maintenant. La nouvelle émission, tu fais une entrée. Je la fais pas ce soir. Tu la fais pas? Non. Ah bon, d'accord. Quoi? Faut que je fasse une entrée. Bon, ok, je fais une entrée, ok. Christine Scott-Thomas, Christine Devier, Jean Cour, Gérard Ditti, Evelyne Wix, Salomé Lelouch, Jean-Luc Reichmann, Romain Sardou, Cynthia Sardou, Marilyn Manson, Mike Horn, Jean-Pierre Castaldi, Guillaume Cochin, Thierry Cochin, Simon Liberati et mon ami Laurent Baffi. Voici Eddie Mitchell. Bonsoir Eddie. Bonsoir. Alors Eddie, vous n'êtes pas venu pour rien. Tiens un livre, un album illustré de 100 photos, un texte de Sam Bernett qui raconte votre vie du rocker au crooner. Voilà. Alors c'est un livre très intéressant. Parce que moi ce que j'aime en fait dans les bios des stars, c'est l'enfance. Voilà. Alors naissance en 42, du côté de la place des Fêtes dans le 19e arrondissement. Vos parents s'appellent Lucienne et Robert. C'est nerveux. Non mais ça fait un peu film de Lelouch, tu sais. Beau. Lucienne et Robert. Ginette et Marcel, et oui, voilà, je sais. Ouais, c'est un peu ça. La sœur s'appelle Gisèle et le frère s'appelle Pierre. Vous êtes le petit dernier, hein, le petit gâté. Oui, petit Claude. Ah, oui, le petit chouchou quoi. Hein, petit chouchou de la famille. C'est vrai. Et oui. Mais alors, vous ne roulez pas sur l'or hein, dans cette famille. Le soir, pour dîner, vous dites en... On met un morceau de pain dans un bol de vin rouge, quoi. C'est quand même pas... C'est l'été, ça. Ah, ça, c'est l'été. Ouais. L'hiver, c'est quoi? Une bonne grosse soupe, non? Oui, et puis la fin du mois se termine le 15, souvent. J'ai envie de chialer d'un coup, hein. Bon, votre père, héros discret de la résistance, mais qui se retrouve quand même à bosser à la RATP, quoi. Comme votre père travaille la nuit, le jour, il a le temps de s'occuper de vous. Il vous amène voir des westerns, des thrillers, des péplums dans les cinémas de quartier. Il vous amène voir des combats de catch. Et c'est lui, finalement, qui vous forme complètement, quoi. Ah oui, non, totalement. Et puis même au niveau littérature, parce que mon père était très, très, très ouvert. Il lisait de tout. Ça allait aussi bien de... Puisqu'à l'époque, la grande star du polar, c'était Peter Chenet. Mmh. Ça allait aussi bien de Peter Chenet. En passant par Sartre, il fallait tout manger. Ouais. Donc vous lisiez les livres de Peter Chenet, vous alliez voir La Môme Vert de Gris avec Eddie Constantine. Ouais. Ah oui, c'est toute une culture, ça. Ouais. Bah oui, c'est, bah oui, c'est important. C'est bien, oui. Alors, vous n'allez pas beaucoup au lycée, hein, faut bien le dire. Non. Hein, vous préférez draguer, fumer, glander. Hein, c'est plutôt ça, votre... Bien sûr. C'est quand même plus agréable. Ouais. Alors, dans la famille d'Eddie, mis à part votre père qui travaille à la RATP la nuit, tout le monde travaille au Crédit Lyonnais. Donc, vous vous retrouvez coursier à l'agence Richelieu-Drouot. Bientôt, vous êtes viré, parce qu'en tant que coursier, évidemment, vous barrez sur votre petite mobilette et vous allez tout faire sauf du travail. Et finalement, vous êtes viré, mais cette expérience vous permet de découvrir ce qu'on appelle le triangle d'or, c'est-à-dire entre les grands boulevards, le square de la Trinité et la rue Richelieu. Et là, vous rencontrez deux autres glandeurs passionnés de rock, qui sont Johnny Hallyday et Jacques Dutronc. Et ce que je trouve assez extraordinaire quand même, c'est cette rencontre, quoi. Les trois plus grands jouaient ensemble à l'adolescence. C'est très bizarre, quand même.
Mais ça, on y va, c'est le hasard. Oui, mais c'est un hasard extraordinaire, vous en conviendrez. Ah oui, c'est un hasard merveilleux, et ce qui est surtout de merveilleux, c'est qu'on soit resté non seulement en très bon terme, mais qu'on soit vraiment des amis. Et pourquoi vous n'avez pas rencontré Dick Rivers? C'est marrant, la vie. Était à Nice. Si je connais bien, c'est ça, et lui, il était niçois. Et alors, bientôt, vous découvrez le golf Drouot, qui deviendra le berceau du rock français. Nous, quand on l'a connu, c'était un endroit pour vieilles dames qui venaient prendre le thé. C'est le café d'Angleterre, oui. Au-dessus du café d'Angleterre, c'était vraiment un mini-golf, un golf miniature, donc, avec 4-5 trous, j'en sais rien. Et voilà. C'était rien, oui. Ouais. Alors, ce qui est drôle, c'est votre première rencontre, ça je ne savais pas, avec Jean-Philippe Smet, donc futur Johnny Hallyday. Il vous pique des disques. C'est vrai, bon, ben, c'était à côté, pas très loin de l'Habitaire et des Martyrs, c'était une surprise partie, comme l'on dit. Et donc, bon, j'avais amené des disques, comme tous les gamins, comme nous étions. Et en partant, quand ça se termine, il faut les embarquer. Et les miens, je ne les trouvais pas. Il y avait mon camarade Johnny qui, lui, les avait confiés au concierge en disant « je repasserai les prendre plus tard ». Voilà. Et là, vous le collez au mur quand même, vous récupérez vos disques, quoi. Bien sûr. Attendez, c'était les premiers 45 tours de Gene Vincent, ça s'oublie pas, quand même. Donc, entre Johnny et vous, ça a commencé par un baston, quoi. Oh, baston, pas bien méchant, un baston de gamin. Et puis, pourquoi t'aimes ça? Parce que moi, j'aime ça. Puis, voilà, et d'un seul coup, on a parlé de choses beaucoup plus importantes qui étaient... Et alors, vous parlez de Dutronc, qui à l'époque était un vrai dandy. Chapeau enfoncé jusqu'aux oreilles, imperméable cintré à la taille... Oui, c'est vrai qu'il avait un côté, on l'appelait Gaston, d'ailleurs, car il se tenait exprès pour le gag, il se tenait toujours voûté avec un imperméable, et à l'époque, il avait des foyers des verres triple foyer, comme ça, et quand il draguait, on appelait ça l'opération Gitane. Voilà. C'était avant sa métamorphose, parce qu'après, il est devenu beau. Oui, après, c'est devenu le playboy qu'on incroyable, connaît, ouais. Et qu'il est toujours, d'ailleurs. Alors, c'est l'époque où vous récoltez le surnom de Schmoll. Oui. Une fille qui s'appelait La Valise parce qu'elle avait un Bézanville énorme, paraît-il. Non, pas franchement. Non, elle avait une intelligence très proche d'un bagage. Quoi. Et d'ailleurs, le truc drôle, c'est que je l'ai croisée il y a peu de temps. La Valise, vous avez revu La Valise? Oui, je l'ai croisée à Saint-Tropez. Je l'embrasse si elle est devant son poste. Et j'ai même pas eu le temps de dire bonjour La Valise, comment ça va? Puis hop, elle est partie. Bon. Ah oui. Alors, à l'époque, vous formez votre premier groupe qui s'appelle les Five Rocks. Hein. Mais quand il y a le premier passage sur Europe 1, vous découvrez que vous appelez les Chaussettes Noires. Parce qu'il y avait eu un deal entre votre maison de disques et un marchand de chaussettes. Textile. Les Chaussettes Stem. Stem, ouais. Ça. Ouais. Et bon, j'ai appris par la radio. Vous appelez les Chaussettes Noires. Voilà. Franchement, ça vous a fait quoi? Ça vous a humilié de vous appeler les Chaussettes Noires? C'était un peu dur quand même. C'était même pas humiliation, c'était consternation. Non, mais je veux dire, tout ça n'était pas important parce qu'on pensait qu'on allait faire un disque, que c'était amusant et puis qu'on et allait. Et non, 45 ans, je le tape. Et c'est vrai, non mais c'est vrai. Non, mais je veux dire, bon, aujourd'hui. C'est pas un chanteur, c'est une fatwa. En tous les cas, le succès est immédiat. Hein. Vous avez du succès tout de suite avec Tu parles trop, Bibop Oloula, Daniela, et vous vendez en 2 ans. 2 millions de disques, quand même. À l'époque, c'était énorme. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais bon, vous prenez ça comme ça, mais c'est quand même extraordinaire, non? Oui, mais à l'époque, on trouvait ça normal. Hein, ouais. Plus le truc drôle, c'est que c'est vrai. Ouais. Ah bon, c'est bien, c'est formidable. Et puis, on n'avait pas... Enfin, on ne se rendait pas bien compte. Ouais. Alors, le problème, c'est que vous partez à l'armée. Et dites donc, on ne va pas faire, quand même. Si... Ah non, on n'a pas le temps. Ah bon, d'accord. On n'a pas le temps. Non, soyez tranquille. Si on fait votre vie, on est là jusqu'à 4h du matin. Non. À un moment, il faut qu'on leur rende l'antenne quand même. Hein. T'es d'accord, Laurent? Voilà, alors après, vous faites quelques succès. Il y a toujours un coin qui me rappelle. S'il n'en reste qu'un, Alice. Enfin, des débuts de votre carrière solo, donc. Ouais. Mais il y a quand même une longue traversée du désert. J'ai revu ça en lisant ce bouquin. Mm-hmm. Je ne me souvenais pas. Ça va mal, hein. Il y a une période comme ça qui dure 4-5 ans où vous êtes quand même. Qui dure 4 ans. Ouais, vous êtes à la ramasse hein, quand même. Hein. Ouais, non, enfin, c'est même pas. Non, c'est à un moment, ils envisagent même de reformer les Chaussettes Noires. Enfin, vous voulez pas. Ah non, moi, enfin, vous voulez pas. C'était en. Mais on vous le propose. Oui, mais ça m'intéressait absolument. C'est pour dire à quel point ça allait mal quand même. Oui, non, mais c'est vrai que je vendais très très peu de disques. Et que ce qui faisait peur, c'est que les anciens disques qui étaient
reproposer en compil, en ceci, cela, vendait mieux. Ouais. Mmh. Oui, le best-of des Chaussettes Noires se vendait mieux que vos disques. Ouais, c'est terrible, ça. Ça, ça, oui, ça fait... C'est ce qui arrive à Dave tous les ans, vous me direz. Hein. Ah ouais, ouais. Il n'était pas dans les Chaussettes Noires, là. Non. À ce moment-là, vous faites une émission de, vous faites une émission de radio qui s'appelle En attendant que ça se passe. Donc c'est bien la preuve que vous aviez le sentiment quand même que c'était un mauvais moment. Qui ne marche pas non plus. Hein. Qui ne marche pas avant. Oui, c'est terrible. Non, non, qui ne marche pas, non, c'était... Enfin, c'est drôle, c'est pas drôle. Ouais. C'est... Du coup, tu écris un livre qui s'appelle Au fond du trou, qui ne se vend pas. Qui marche pas du tout. Mais... Qui ne se vend pas du tout. Non, non. Alors du coup... Non, Vous viviez de quoi à l'époque? J'ai tourné où j'avais pas envie d'aller d'ailleurs, j'ai tourné dans les pays de l'Est, tourné Roumanie, machin, tout ça, avec le chou farci, tout ce qu'on aime bien, et je gagnais très bien ma vie. Mmh. Mais je veux dire, c'était pas très... C'est pas drôle, quoi. Non. Et là... C'est le drame. Ben non, justement, Laurent, c'est le grand retour. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance. Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux coulant mon talon. Cherche des regards en spot, le dieu projecteur. Et moi je n'en pouvais plus. Pour me garder et m'emporter. A crédité, j'te roule un nouveau téléviseur avec satellite en couleur, relieur réfrigérateur qui faut aussi me donner l'heure. Voilà Eddie Mitchell. Ces versions sont extraites du CD Le Frenchy Tour. Donc ça, c'est des trucs que vous avez chantés il y a un an, quoi. Exact. Exactement. C'est pas des nouvelles chansons, ça. Non, 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 non. Il y a des nouvelles, enfin, il y a quand même dedans, mais... C'est des interprétations d'aujourd'hui. J'en connaissais aucune, de mais... De chansons de l'époque, voilà. C'est logique. Mais j'aime bien. C'est pas mal, hein. Je chante bien. C'est une bonne voix, hein. C'est incroyable. 40 ans après avoir commencé, vous êtes toujours là, vous avez la pêche... Les gens vous applaudissent. La pêche, la banane. Hein? Non, mais c'est bien, non? Bah, moi, je suis ravi. Hein. Vous auriez cru à ça, que ça allait durer 40 non, ans? Non, 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 mais même de... Enfin, je reconnais que... Enfin, je suis pas unique dans ce cas. Je, bon, c'est merci tous les jours. Hein. Ouais. Mais c'est rien, il est à mi-parcours. Ça va durer encore 40 ans. Il est à mi-parcours. Ouais. Jeune Calment du rock, tu vas voir. On n'a pas fini d'en bouffer. Eddie Mitchell, je chante pour ceux qui ont le blues. Alors Eddie, vous êtes un rocker. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes une rockstar. On va faire un test, le rockstar test. Est-ce que vous êtes né dans la rue? Enfin, je sais pas, j'ai pas de souvenirs. Ça, je l'ai, on se souvient pas très bien. Est-ce que vous êtes déjà battu pendant un de vos concerts? Battu? Ouais. Ah oui. Ah oui. Ouais. C'était quand? C'était en Corse, à Bastia. Il a mis un coup de latte, t'es une personne âgée au premier rang. Non, c'est vrai. Parce qu'elle avait posé son sac sur scène. Ouf. Tiens, prends ça, la vieille. Non. Avec l'organisateur. Ouais, avec l'organisateur. Qui voulait pas vous filer la boîte à chaussures avec les billets dedans. Non, il voulait pas me donner la sono, surtout. Bon, alors, il me disait que Mariano chantait sans micro, qu'il avait pas de raison. Ah ouais. Donc j'ai mis un pain, et puis d'accord. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez déjà couché avec votre cousine? Non. Jamais? Non, ben non.
Jerry Lee Lewis, il l'a fait, lui. Oui, mais Jerry Lee Lewis, je joue pas de piano non plus. Ouais, c'est vrai. Ouais. Est-ce que vous êtes déjà mort dans un accident d'avion? Non. Si, rappelle-toi. La réponse est non. C'est pas sympa, ça. Je le prends en deux jours. Oui. Bon. Est-ce que vous avez déjà saccagé une chambre d'hôtel? Oui. Ah, ouais. C'est vrai qu'il a pissé à côté une fois. Est-ce que vous avez déjà fait une overdose au Palace? Non. Non. Vous avez déjà chanté du Charles Trenet? Oui. Quoi? Que reste-t-il de nos amours, ouais. La mer, entre autres. Est-ce que vous avez déjà chanté avec Maurice Chevalier? Ouais. C'est mauvais, ça, pour être rockstar. Ah bon? Ouais. Puis lui, ouais, c'est bon, de la coulée, hein, on n'en entend plus parler. Hein. Ben, pourtant, ça y avait fait du bien. Le twist du canotier. Ouais, hein? Ouais. Est-ce que vous avez déjà été inquiété pour des problèmes de drogue dans un aéroport américain? Non. Non. Je suis mauvais, hein. Ben, vous n'êtes pas mauvais, vous êtes un rocker, vous n'êtes pas une rockstar, quoi. Ah bon? Eh oui. Vous avez déjà demandé à Obispo de ne pas vous composer des chansons? Ça, c'est perçu. Ça, c'est pas gentil, ça. Non. Est-ce que vous avez quelque chose en vous de Tennessee? Regarde bien. Non, mais enfin, ça, c'est pareil. Quand on l'a, ouais. Quand on connaît les tendances sexuelles de Tennessee Williams, vaut mieux pas. D'accord. Bonne réponse. Vous avez déjà été agressé par un fan? Honnêtement, pas, non. Pas comme Lennon, quoi. Ah non, non. Non. Ah ben. Encore un dont on n'entend plus parler du tout. Ouais, hein. Je sais pas ce qu'il faut. Vous êtes déjà allé sur le plateau de la Star Academy pour faire de la promo? Oui, deux fois. Ouais. Oui. Ah non, moi je vérifie, hein. Non mais attendez, ça paye mieux qu'ici, hein. Ah ouais. Viens, on y va. Ouais. Viens, on y va, Eddie. Est-ce que vous avez été de boire ou de fumer? Non plus, non. Ah, ça, c'est bien. Ah bon? Ah, pour être rockstar, c'est bien. Ah bon? Ah oui, les excès. Ah, il faut faire beaucoup d'excès. Ah bon? Ouais. Oh là, j'ai arrangé beaucoup de boulot. Vous vous jetez dans votre public à la fin d'un concert? Non, non. Oui, mais les gens s'écartent. Voici Christine Scott Thomas. Scott Thomas. Alors, vous êtes rare à la télévision, on vous voit rarement sur les plateaux de télévision, on est donc d'autant plus content et flatté que vous soyez là, Christine. Voilà. Merci. Alors, je sais que vous n'aimez pas les gens qui sont impressionnés par vous, vous dites ça me met mal à l'aise, alors je vais essayer de ne pas être trop impressionné par vous. Tant et plus moi, plus. Les gens mal à l'aise, ça m'impressionne. On ne va pas s'en sortir. Hein, non. Alors en fait, je crois que vous n'êtes pas du tout consciente de l'effet que vous produisez. Vous dites les gens fantasment à cause de mes rôles. Ils imaginent que j'ai une espèce de pouvoir de séduction. C'est archi faux. Ah oui. Je peux pas élaborer, mais oui. Ouais. Oui. Vous savez pas que vous êtes très jolie et très séduisante. Oh, voilà, c'est ça. Arrête, t'es chiant. C'est très sympathique, merci. C'est relou. En fait, Christine se trouve pas belle, mais si elle le dit, elle a peur de passer pour quelqu'un qui aurait de la fausse modestie. Oh, qu'est-ce que donc c'est très compliqué. Vous non, c'est vous qui êtes compliqué, c'est non, pas moi. Non. Ah bon. En tout cas, ça vous rend encore plus attachante et. Et plus belle. Oh voilà. Non, arrête. Alors, vous êtes né en Angleterre d'une famille très chic. Pas du tout. Bah, comme il faut, quand une famille comme il faut. Une famille normale, mais pas chic. Ouais, comme il faut. Je sais pas. Ouais. Mais comme il faut. Comme il nous fallait, en tout cas. Comme il fallait, en tout cas, voilà. Alors, votre vie, ça commence comme un roman. Votre père était pilote de chasse. Mm. Il est mort quand vous aviez 5 ans. Votre mère se remarie avec un autre pilote de chasse qui meurt 6 ans après. Ouais. C'est incroyable, non? Oui, mais vrai. Mais vrai, c'est la malédiction. Incroyable et triste et très difficile pour elle et pour nous les enfants, c'était très difficile. Enfin, ça, c'est des choses qui nous fabriquent. Enfin, c'est des expériences comme ça, c'est des choses qui nous donnent nos caractères. Donc, faut pas pleurer. C'est réussi. Vous avez commencé la comédie très tôt. À l'âge de 4 ans, vous jouiez un berger. J'étais aussi un berger, un vieux berger, en effet, oui. Avec une canne. Mais c'est pas un peu tard, 4 ans, pour jouer un vieillard Mais alors, très vite, vous êtes aperçu que c'était là que vous étiez bien, quoi. C'était quand vous étiez en représentation. J'aimais beaucoup me déguiser et faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Ouais.
et je continue. C'est pathétique. Et ce soir, vous faites l'actrice qui a fait un film avec Régis Varnier. Vous le faites très bien, d'ailleurs. Merci. Alors, votre famille vous décourage de faire de la comédie parce que par sens des convenances, ça ne se faisait pas. Et vous décidez de devenir professeur d'art dramatique, ce qui était sans doute une erreur, mauvaise idée. Ouais. Fatale. Mm. Je me suis inscrite dans une classe où on apprenait à être professeur. Et je me suis vite aperçue que ce n'était vraiment pas la bonne voie. Et que pour faire ce que je voulais faire, il fallait que je quitte l'Angleterre. Et que je recommence à nouveau quelque part ailleurs. Et voilà. Et c'est là que la France a hérité de Christine Scott Thomas. Vous aviez 19 ans. Vous êtes venue ici comme jeune fille au pair dans une famille. Et c'est cette famille qui vous a encouragée à faire le métier d'actrice. Enfin, quelqu'un m'a encouragée à faire ce que je voulais faire. Et c'était à cause... D'ailleurs, je me souviens très bien, j'avais tellement peur d'aller au concours de la Rue Blanche qu'elle m'a mis elle-même dans un... Elle a appelé un taxi, elle m'a mis elle-même dans le taxi, elle m'a donné des sous. Ouais. Et donc, vous n'êtes jamais reparti de France. Mais ma maison, chez moi, c'est ici, oui. Il faut dire que vous avez rencontré un Français aussi. Oui, voilà. Ça, c'est fatal aussi. À l'époque, il était étudiant en médecine. Oui. Enfin, ça, c'est la vie privée, on ne va pas trop en parler, mais c'est aujourd'hui un grand médecin. Oui. Quelle spécialité ? La spécialité, c'est qu'il est obstétricien. Voilà, j'arrive pas à le dire. Tu vois, je préfère que ce soit Christine qui le dise. Obstétricien. J'arrive pas à le dire. Moi aussi. Dis-le, enfin, moi non plus. Enfin, moi aussi. Obstétrique. Je sais pas. Non. Il y a des mots. Moi, il y a des mots que je sais pas dire. Par exemple, bateau. Non, bateau. Tu sais ça ? Mais bateau. 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 Non, mais obstétrice, tu vois ? C'est pas un mot facile non c'est plus. C'est pas hein. un mot facile, hein. Vous avez trois grands-enfants, hein. Mm-hmm. Et alors, à cause de ces enfants, donc, vous n'avez pas fait de carrière Hollywood. C'est parce que j'ai choisi de privilégier la vie française, la vie que je pouvais trouver ici, avec ma famille, mes enfants, plutôt que cavaler là-bas et avoir à faire des choses qui m'attiraient plus tellement, en fait. Je suis allée, j'ai fait un tour, et puis je suis revenue. Vous ne regrettez pas ? Jamais. Si, parfois. Quand les enfants pleurent, oui. Si, parfois, on se dit, oh, j'aurais dû rester. Et puis, on a plus de liberté ici, bizarrement. Ah. Vous oui, aimez les la femmes France. De mon âge, dans le cinéma américain, c'est très, très, très difficile. C'est vrai, c'est vrai. Et là, vous voyez les rôles que je viens de jouer là, uniquement en France, avec Arsène Lupin, et puis Man to Man, et Petite Coupure. C'est fantastique, c'est fabuleux. Faites les méchantes hein, en ce moment, hein. Oui, j'ai eu une période méchante, c'est fini là maintenant. Je suis plutôt dans les comédies là maintenant. D'accord. Alors, en préparant cette interview, je me suis rendu compte que ce n'est pas la première fois que vous jouiez avec des pygmées. Oh. En 86, vous avez fait Under the Cherry Moon avec Prince. Oui. Au studio de la Victoria. Ça sentait la vanne. Ça sentait la vanne. Oui, absolument. Mais ce film-là, Under the Cherry Moon, vous ne l'avez pas mis dans votre filmographie, hein ? Oh si ! Ah bon ? Elle doit l'être. Ouais. Je ne sais pas, je ne publie pas, je ne vérifie pas. Non, vous n'êtes pas fière de ce film ? Si, je suis très fière de ce film. C'était mon premier film. Je jouais au théâtre dans un champ en Bourgogne, une pièce de Marguerite Duras, et tout d'un coup, on m'appelle pour me demander d'aller faire des essais avec Prince, qui était à l'époque le summum star. Des stars. Oui. Énorme star, bien sûr. Énorme. Et puis, je me suis trouvée dans une limousine en allant à Nice. Je n'avais jamais été dans un hôtel de ma vie jusque-là. Oui. Et là, c'était les hôtels 4 étoiles. C'était mignon, quand même. Bon, arrêtez-vous, je vais craquer là. Ouais. Alors, vous êtes sans doute l'anglaise qui connaît le mieux les Français. Je crois qu'on est plusieurs à connaître. Oui, Jean Birkin et vous. Hein. Et Charlotte. Alors, on va faire un French quiz. Aïe, aïe. Alors, Christine, est-ce que le français fait tout le temps la gueule ? Oui. Non, mais attendez. Vous voyez ? Vous voyez ? Voilà. Et encore, rappelons qu'elle ne prend pas le métro. Oui. Est-ce que le français a vraiment une hygiène douteuse ? Peut-être que non. Est-ce que le français se croit vraiment supérieur aux autres ? Non. Non. Je dirais même le contraire. Ah bon ? Vous pensez que je les Français... Je pense qu'on a un petit complexe d'infériorité, oui. Ah, vous dites « on », c'est on, bien. Oui, parce que je me sens... Je me sens quand même adoptée et je me suis adaptée. Donc, voilà. Oh là là.
Vous parlez beaucoup mieux le français que Jane Birkin, hein. Est-ce que le français est vraiment nul en langue étrangère? Pas aussi nul que les Anglais, hein. Ouais, d'accord. Ou les Américains. Ouais. Est-ce que le français est vraiment prêt à dénoncer son voisin si on le lui demande? Oui. Ah. Est-ce que le français arnaque vraiment les touristes quand ils viennent en France? Ah, ça, je sais pas, parce que j'ai jamais été touriste en France. Bah, attends, qui t'a vendu ce manteau? On va quand même. Est-ce que le français est dragueur? J'ai du mal à repérer les dragueurs, en fait. Ah, ah. Même pendant l'acte? Mais t'es pas en train de me draguer, là? Non, non. Pas du tout. Est-ce que le français passe vraiment son temps à parler de sexe? Non. Non. Est-ce que le français embrasse bien? Oui. Est-ce que le français fait bien l'amour? Oui. Ah. Est-ce que le français est sympathique? N'en demande pas trop, Thierry. Oui. Voici Christine Devier, j'en cours. Magnifique, Christine de Viejoncourt, c'est du quoi? Ça, du lapin. Ah, le pauvre, du lapin. Et comment ça va? Eh ben, ça va pas mal. Christine de Viejoncourt, donc on vous a connu putain de la République. Elle est, ça y est. On vous a connu chanteuse, et maintenant vous êtes écrivain. Non, mais j'ai écrit 4 livres, c'est le 5e. Oui, mais là, celui-là, non, attendez, c'est un roman. Ah ben, c'est un roman. Les autres, c'était pour les affaires. C'est un roman érotique, c'était en plus. C'était pour me défendre et me battre. Ouais. Là, on souffle, on parle d'autre chose. Voilà. Et on parle là, on parle de cul. On parle de cul de la vraie vie, oui. Christine, vous êtes une vraie touche-à-tout, non? Oui. Allez. Bien, alors ensuite, Christine, on vous a connue chanteuse. Et là, on a découvert avec stupeur au moment de la sortie du disque que toute votre enfance, vous aviez travaillé le piano avec un grand musicien espagnol qui avait fui le franquisme, qui s'était réfugié à Sarlat, et que normalement, vous auriez dû être, Christine de Viejoncourt, chef d'orchestre. Compositeur, oui. Voilà. Comme mais quoi, elle n'a pas fini sa carrière. Attention. Ouais. Elle a toujours mené les hommes à la baguette, de toute façon. Hein. Oh, que c'est joli, ça. Je ne sais pas qui a mené l'autre. À mon avis, on m'a bien amené à la baguette. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. C'est dur de commencer à 55 ans pour une jeune chanteuse. Pourquoi vous dites mon âge? Bah, moi, je dis le mien, alors. On a le même. Moi, vous êtes un homme. On voit tes poils blancs, t'es pas de la première. Voilà, il n'y a plus de poils et il n'y a plus de lapin. Voilà. Ah! Après, je pas de me parler du lapin. Vous pensez quoi? Vous pensez quoi, sérieusement, Christine? Vous pensez quoi de ces nouveaux chanteurs qui ne savent pas chanter, qui vendent des millions d'albums alors que vous en vendez beaucoup moins? Vous savez pas chanter non plus. D'abord, c'est pas que je ne sais pas chanter. Je crois que d'abord j'ai eu envie d'écrire. Ouais. C'est une façon de m'exprimer. Ouais. C'est ce qui m'a motivée. En même temps, la musique, j'ai toujours baigné. Et bon, si ça marche, ça marche. Moi, je me fais plaisir. C'est le principal. Ouais. Vous ne croyez pas que vous auriez dû chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans les yeux quelque chose qui fait mal? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont... C'est du Gergé. Vous regrettez de ne pas avoir écrit vos chansons vous-même? Mais je les écris moi-même. Et ça, tu ne regrettes pas? T'as pas écouté l'album? Si, j'ai adoré. Tu le diras après. Je l'écoute deux fois par jour. Mais non, il n'est pas sorti. Un masculin. Bien. Moi, j'ai un secret, je l'écoute à la bonne vitesse. Ça y recommence. Bien. Alors, donc, un, putain de la République, deux, chanteuses, trois, écrivains. Un livre après un disque, vous voulez vraiment retourner en prison, Christine? Non, parce que là, je risque rien. Parce que là, ça ne parle pas d'affaires d'État. Par rapport à votre passé, vous auriez pas mieux fait de sortir une ligne de chaussures, non? Ça ne m'intéresse pas, la chaussure. Alors, vous n'êtes plus dans la chaussure. Oui. Pas du tout. Alors, le livre s'appelle « Comme le disque, toi masculin, mon féminin hein. ». Mm-hmm. C'est aux éditions du Rocher. C'est un roman érotique. Alors, vous dites « J'ai écrit ce livre pour ne pas mourir ». Au lendemain du procès en appel, après la relaxe de Dumas, en voyant que je prenais encore les coups, c'est vrai que j'ai passé quelques mois très durs. Ouais. Je n'avais plus tellement d'avenir, quoi. Dans la moitié de mon sexe ouvert, ce membre tuméfié semble prendre naissance. Et voilà, j'ai la Gaule, bravo. Eh bien, moi, ça marche, hein. Ça fait l'effet.
J'ai noté aussi quelques passages. Alors, c'est l'histoire d'une femme à la dérive qui vit encore dans le souvenir du grand amour de sa vie. Le grand amour de sa vie, c'est un homme plus âgé qui l'a marqué à jamais, mais qui l'a jamais épousé et qui est mort. Roland Dumas est mort. Non ? Je sais pas. Je peux pas cacher qu'effectivement l'héroïne, je me suis complètement impliquée en elle. Bien sûr. Parce que j'avais aussi à travers elle, j'avais besoin de dire des choses. Ouais. Donc effectivement, et aussi peut-être, j'ai voulu montrer une femme qui s'est battue, une femme qui a pris des sacrés coups dans la gueule. Ouais. Et cette femme se retrouve par terre. Voilà. Après ce grand amour, donc elle n'a plus rien avec cet homme, elle n'a plus rien, elle est complètement à la dérive. Et elle retombe amoureuse. Voilà. Alors d'un mec qui au départ est très macho. Oui. Et on découvre rapidement que c'est une folle tordue. C'est-à-dire non, que oh bah si, quand même. Non, Orlando exige le clé. Il adore se travestir. On a tous en nous du masculin, du féminin. Bien entendu. Même te dire, on a moi, j'ai peut-être plus. Je suis très féminine. Ouais. Je crois que j'ai beaucoup de masculin en moi. Ouais. Et je me suis dit, en écrivant ce livre, je crois que j'avais besoin de vivre une histoire d'amour que je ne vis pas. Ouais. C'est vrai que je suis un peu seule depuis 7 ans. Et je me suis immergée là-dedans et je me suis dit, voyons, quel est le genre d'homme qui pourrait me faire peut-être non, craquer. Non, attendez, arrêtez. Et j'imaginais un homme en face qui soit l'inverse de moi, c'est-à-dire à la fois masculin et féminin. J'ai aussi un Moyen-Âge là en banlieue, c'est si vrai. Tu veux. Bon, mais tu vas me présenter. Ouais, mais t'inquiète, ils sont organisés. C'est vrai. En plus. T'as déjà pris ton pied dans le 9-3 ? C'est quoi le 9-3 ? Ah oui, la banlieue 9-3 ? Non, je suis pas allée, mais aussi on me présente. Je connais personne. On va te faire la visite. Là, tu vas connaître du monde. Très bien. Eh bien, on va y aller. Ça me donnera un autre livre. Christine, page 24. Donc, c'est un soir glacé de pleine lune. Donc, vous êtes avec le vieux. C'est avant J'étais sûre que vous alliez lire ce passage. Hein, donc, alors, elle se déshabille derrière un fourré. Il fait très froid. Hein, il fait vraiment. T'es sûr de ta phrase ? Oui, bien sûr. Je venais à lui dévêtu. Voilà. Et alors, je ne craignais plus ce froid de mort qui m'envahissait comme une douleur. J'avançais encore. J'imaginais le spectacle qui s'offrait à lui et je jubilais. À un mètre de lui, je m'arrêtais. Il s'approcha, ôta sa vareuse, qu'il posa à même le sol sur l'herbe givrée, saisit ma main et m'invita à m'allonger. J'obéis. Son corps me recouvrit sans aucun préliminaire. Il écarta mes jambes. En tout cas, c'est bien conjugué parce que... D'accord. Tu vois. Donc, on peut dire, il écartine mes jambes, ce qui ne voulait rien dire. Ouais. Il écartasse mes jambes. Tout est bien conjugué, en tout cas. Dégrafa sa ceinture, brutale comme un viol. Je sentis sa queue raide me pénétrer, écarter les chairs comme une déchirure. Oh, son désir était violent, impatient. Ses coups de boutoir... Ses coups de boutoir redoublés au fond de mon ventre, voilà. Voilà, ça c'est la mort du vieux, quoi, pratiquement. Il en peut plus. Après, il est mort. Ouais, après, il est mort. Hein, vous l'avez il tué. Il n'en pouvait plus. Voilà. Et donc, effectivement, après cette aventure avec cet homme, disons, d'un âge mûr, l'héroïne est complètement déboussolée, elle est prête à quitter Paris. Et là, elle rencontre le fameux Francesco, qui est un riche businessman. Alors, il y a un truc que je ne supporte pas, c'est qu'il est fier de frauder le fisc. C'est une image. Ah non, c'est pas une image. Moi, je trouve que c'est pas bien de frauder le fisc. Il n'est pas fier de frauder le fisc. Je raconte qu'effectivement, il est comme beaucoup, c'est-à-dire 20% de Français aujourd'hui qui se demandent comment ils vont faire et qui se délocalisent. C'est vrai que c'est dommage pour la France. Vous dites la réussite qu'il faut planquer sous peine de délit d'abus de biens sociaux. C'est pas vrai. Sur l'argent propre sur lequel on a payé ses impôts, on peut s'acheter tout ce qu'on veut en France. Ce qui est interdit, c'est s'acheter des trucs avec le pognon de la société. C'est pas si simple, je crois. Mais si, c'est très simple. Je crois que c'est pas si simple. C'est bien de payer des impôts. Bien sûr que c'est bien de payer des impôts. J'espère que j'en paye toute ma vie. Puis au moins, ça va à quelqu'un, ça aide les gens. Oui, ça fait des crèches et des hôpitaux. Non, sérieux. Ça rend service aux gens. Mais c'est vrai qu'ils sont très élevés. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'en vont, c'est un peu dommage. Moi, je paye des impôts et je bénéficie pas de certaines choses comme un citoyen normal. C'est-à-dire, moi, j'appelle la police, c'est pas la même histoire. Ils viennent quand ils n'appellent pas, c'est le problème. Non, mais. Quand je lis la réussite qu'il faut planquer sous peine de délit d'abus de biens sociaux, c'est pas vrai. Quand on peut s'acheter ce qu'on veut avec l'argent qui est propre sur lequel on a payé des impôts. Aujourd'hui, quelqu'un qui monte une entreprise, qui a la force du poignet, pendant des années, l'a montré sa propre entreprise, a créé de l'emploi, et qui, moi ça arrive, j'entends ça autour de moi tous les jours, et qui
achète, je sais pas, j'exagère, mais un billet d'avion pour les vacances, c'est de l'abus de biens sociaux. Mais c'est sa propre entreprise. Mais c'est pas normal. Mais c'est ça. Mais oui, mais c'est pour ça les gens s'en vont. C'est dommage. Mais qui s'en aille cela? Parce que je vais vous dire, ça, c'est de l'abus de biens sociaux effectivement. S'acheter des billets d'avion pour aller en vacances sur les frais de la société. Voilà, mais c'est pour ça que les gens s'en vont. Ça s'appelle un délit. C'est un abus de biens sociaux et c'est interdit et c'est normal, voilà. Non, je veux pas donner des leçons de morale, mais enfin, quand même, à un moment... Simplement, les gens ne connaissent pas tout ça, ils demandent, même pour des petites distances. Même pour des petites distances. Si c'est pas professionnel, on paye avec son pognon, d'accord. C'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est malheureux, il y en a plein qui s'en vont. Et qui s'en aille, je vous dis cela. Oui, mais moi, j'ai rien contre qui s'en aille, mais je le dis. Mais qui s'en aille, on s'en fout. Il y en a plein, voilà. Nous, on reste. Moi, je suis là. Voilà. Bon, alors, elle baise avec Francesco, donc, alors vous dites un amant. Oh, la reprise. Un amant. Elle suce Martino et elle l'échouille un peu Roberta. C'est le club des poètes. Non, attendez. Oh, voilà. C'est vous qui avez écrit le bouquin, c'est pas moi. Hein. Alors, ils vont en vacances ensemble et là, ils commencent à porter des sous-vêtements féminins. Là, c'est effectivement, le mec est assez là, grave. Là, c'est chaud, là. Écoute bien. Quelle page 82. La tempête se fait plus rageuse et secoue la palmeraie. Les parfums de mer, d'humus et de jasmin sont d'enivrantes effluves, le tissu s'envole. Parce que le mec a mis la nuisette en soi. On est en plein dans la métaphore. Relis ça. Les parfums de mer, d'humus et de jasmin sont d'enivrantes effluves. Le tissu s'envole, découvrant sa nudité jusqu'à la taille du mec. En retombant, tout en plaquant la soie sur son ventre, le pan de la chemise s'accroche sur son sexe tendu, qu'il laisse ainsi offert comme une insulte, une provocation à la féminité. Ouais, même Joe Star est choqué. Il choisit que ça. Et déjà, à ce stade-là. La télé, il baise, là, je te signale. À ce stade-là, on ne voit pas encore la bite. Et déjà, si. Non, ça vient, elle est sous la chemise de fille. C'est après, mais il n'écoute pas. Mais si. Je ne résiste pas à une tentation brutale, nous dit Christine de Viegencourt. Devant lui, je m'agenouille. Doucement, je promène mes mains. À travers le vêtement de peau d'ange, je l'effleure du bout des doigts. Qu'est-ce que sa virilité dessinée sous la velouté du tissu, je ne peux plus lire, m'excite davantage. Alors, ça va jusqu'au dîner, à la fin, il y a un dîner où il arrive maquillé, le mec il pousse à l'extrême. Mais pourquoi vous imaginez des trucs pareils? Le mec arrive maquillé, avec un porte-chartel. Parce que je trouve ça aussi ça t'excite, très ça, Jérôme? C'est chaudasse, c'est grave. Jérôme, c'est ma mère. M'excuse, mais Raphaël, enfin, attention. Jérôme, tu vas saigner du pif. Désolé. Hein. Je sais pas si vous êtes soudain. Pas les affaires. Mais, non, hein. Mais c'est incroyable. Alors, à la fin, donc, ils font un dîner fin. Ouais. Le mec se maquille, il met un porte-jartel, il se couche par terre. C'est des idées pour vous avec votre Canadien. Là. Et alors, vous dites, ni femelle, ni homme, les cuisses serrées, le sexe démesuré offert. C'est que la mensuration, c'est ouais, il y a que ça qui l'intéresse. Ouais. T'as noté. Ouais, tout le temps. Ouais, tout le temps. Grosse quéquette. Non, c'est il lui dit, prends-moi, ma chérie. Donc le mec est... En plus, c'est des dialogues. Et alors, c'est le moment où elle l'attache. Vas-y. Elle mouche son doigt pour titiller ses seins, le bout de ses seins du mec. Je m'empale sur ce pieu démesuré qui me déchire le ventre. C'est toujours le ventre, hein. C'est jamais la chatte, c'est bizarre. Hein. Pour un livre de cul, c'est très bizarre. C'est plus joli, non? C'est plus poétique. Bah, ça dépend en même temps. Bon, enfin, on ne dira pas la fin parce que c'est très très chaud. Voilà. Si, la fin, je peux lire une phrase de la fin. Ouais. Hyper chaud. Ouais. J'avais le cul laminé, calciné et incrusté d'une épaisse croûte noire. C'est pas moi. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est lui. Alors, relis-le. 176. Patrick. 176. Relis ce qui est écrit. Alors, relis-le. J'avais le... Effectivement. Le cul laminé, calciné et incrusté d'une épaisse croûte noire. Mais qu'est-ce que c'est, ça? C'est pas toi qui l'as écrit. C'est la version qu'on a, nous. Hein. Mais c'est s'agit des casseroles. Oh, vous êtes vache. Ah, je les tue. Pas des verres de whisky. C'est des casseroles qui sont là. Tu avais au cul, donc ça revient au même. Mais c'est des casseroles qui ont Et tu les avais où, les casseroles? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Christine de Viegencourt, toi masculin. Mon féminin, c'est aux éditions du Rocher, mesdames, messieurs. Alors,
Alors, c'est quoi, Christine, sérieusement? Christine, c'est quoi pour vous l'homme idéal, sérieusement? J'y crois plus à l'homme idéal. Ah ouais. C'est un rêve, ça. J'ai besoin d'amour et je me suis créé une histoire comme ça. Et en l'écrivant, j'ai vécu quelque chose et j'ai oublié le reste, les affaires d'État. La couleur des cheveux de l'homme idéal pour vous Brun. Ouais. La coupe de cheveux? Peu importe, je m'en fous de la coupe. Un peu importe. Crépus, c'est bien. Crépus? Vous voulez, mais même comme ça, vous voulez qu'il soit musclé, musclé? Je m'en fous, surtout ça n'a rien à... Pas musclé, pas musclé, musclé, il y a tous les échantillons. Non, je m'en fous. Pas musclé, hein, quand même. Est-ce que vous voulez qu'il soit beau? Je m'en fous. Qu'il ait de l'argent? Je m'en fous. Quel bord politique vous voulez qu'il soit? Qu'il soit d'aucun bord. Bien au centre. Rien du tout. Religion? Je m'en fous. La première chose que l'homme idéal doit vous dire en se levant? Au revoir. Oui, peut-être bien. Et maintenant, fidèle, fidèle, que si rester fidèle à des rien qui pour moi font un tout. Voici Pierre Arditi et Evelyne Bouix. Pierre Arditi et Lynn Bouix. Voilà ce que Pierre dit de vous. Ah, et vous connaissez ma boule, vous en perdriez toute la boule. Et voilà ce que Evelyne dit de Pierre. Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis dingo, que celle qui n'a pas aussi connu ceci ose venir. Ça va? Pas mal. C'est lamentable, comme d'habitude, vous êtes d'accord? C'est nul, c'est concernant. Chaque fois qu'il vient, il dit c'est lamentable, je l'adore. Voilà. Comment ça va? C'est lamentable. c'est assez consternant. Laurent, bon, Laurent, alors, Laurent Baffi qui est lui-même. On est bien barré là, on est bien barré, je le sens bien. Je sens bien ce petit intermède. Laurent Baffi qui est quand même un dramaturge lui aussi, je crois qu'on peut le dire. C'est vrai. Heureusement que vous avez fait un petit bout dans le film de Laurent, parce que sinon, je ne sais pas ce qu'on retiendrait de votre... Et d'ailleurs, ça a boosté un peu ta carrière. Oui, ça m'a fait un bien. Ça t'a fait retravailler, un peu comme Nagui. Voilà, ben oui, tu sais, j'étais un peu dans le... Et voilà, et ça l'a sorti d'affaire. Arditi, il est revenu au top, quoi. Il est au top, là. Au top. Au top. Alors, je vous ai vu, Evelyne, chez Michel Drucker, il y a quelque temps. Oh là là, oui. Et il vous a demandé quelque chose de très grave. Ouais. Il vous a dit, est-ce que c'est pas difficile de jouer avec l'homme dont on partage la vie? C'est vrai qu'il fallait y penser à cette question, j'aurais pas pensé. Regarde ce rameau, mais vraiment. Je l'adore quand tu dis ça. C'est bizarre, Evelyne, alors qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce... truc, je ne voudrais pas faire une interview trop emmerdante, donc je vais vous épargner. Non, mais c'est une bonne question en plus, c'est vrai. Mais répondez. vous l'avez vu la télé, ouais, alors. Vous étiez très bien. Mais voilà. Le dimanche après-midi, c'est ravissant, franchement. Il y a tous vos copains qui sont venus dire vous étiez formidable. Eh oui. Il faut la mériter, mais j'aimerais bien la faire, cette émission de Drucker. Ils ont besoin de gens qui ont des amis. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ça ne peut pas coller. Non, oui, c'est ça. Après, non, tous tes amis qui viennent dire que t'es génial, ouais. Tu crois que moi, ça ne marcherait pas? Attends encore un peu. Attends, c'est pas possible, Pierre, tu n'as pas d'amis. 10 minutes. Oui, 10 minutes, oui. Pierre, non, sérieusement, j'ai lu dans Marie-Claire du mois de novembre. Tu lis Marie-Claire? Thierry, tu es bi. J'aime beaucoup Marie-Claire, c'est un très bon journal. C'est vrai qu'elle est sympa. J'ai lu comment... Comment quoi, Thierry? Juste après une première rencontre, un soir, dans une chambre qui servait de loge, Evelyne Bouix, ici présente... Oh non, si c'est ça, moi j'arrête. Vous a plaqué... Non, attendez, Pierre. Non, mais ça va devenir chaud. Evelyne, chaud. Vous sens vous l'avez... Chaud. Non, mais je crains le pire. Je ne vous croyais pas capable de faire ça. Ah, c'est-à-dire que le pauvre, il est là, il est bon. et vous le plaquez au mur. Dès le premier soir. Ouais. Non, et mais c'était... Non. Alors, je elle vous plaque au mur. Ben, c'est dans Marie-Claire, hein, donc c'est vrai. Elle vous plaque au mur. Et elle vous embrasse. Elle vous embrasse comme au cinéma. Et vous dites un vrai baiser de voyou. C'est-à-dire...
Je l'ai chopé comme ça et je l'ai écrasé sur comme la porte. Cinéma, donc comme au cinéma. Ah, et quel genre de cinéma, parce que. Et Arditi, en plus à l'époque, il était avec il dit, quelqu'un. Non, ne me touchez et, pas. Non, non, ne me touchez pas et tout ça. Me touchez pas, me touchez pas. Ouais. Donc il dit que vous l'embrassez, vous le collez au mur. Et après, il y a tout un dégagement sur le baiser, que c'est que finalement on peut faire l'amour, mais tant qu'on n'embrasse pas, on n'aime pas vraiment. Que le baiser, c'est le premier acte d'amour. Enfin, un délire absolument. Vous souvenez délire, de ça hein. Bah évidemment. C'est comme un appartement quand vous avez, bah, si vous embrassez pas, vous aimez pas. C'est quand même. Si t'embrasses mal, tu baises mal. C'est, enfin, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a un film. Je sais pas comment ouais. vous comment ça se passe pour vous, mais enfin moi personnellement. Je vais vous montrer. C'est lamentable. Pierre, voilà où on est le service public. C'est pas lamentable. J'ai un cadeau pour toi, Pierre. Oh non. Si. Ah ouais. Ah. Bravo, Laurent. Eh ben voilà. Je voilà. l'imagine, eh tournant oui. avec ce t-shirt. Ah Seigneur. Il risque plus de te caler au mur là. C'est lamentable. Mais là, c'est cuit là, c'est ouais. foutu. Tiens, ouais. Il faut que tu le mettes. Oui, je le mettrai. La je le mettrai fois. À la maison. Je le mettrai la prochaine fois parce que là j'ai déjà un pull. Moi, je vais crever là. Hein? Non mais je le mettrai, je te On promets. On va tous crever, Pierre, mets-le. Bien, donc ce qu'on voit en tous les cas à la lumière de cette anecdote relatée dans incroyable. Marie-Claire, incroyable, c'est qu'en fait, bah, c'est un petit peu dans votre vie quotidienne, un petit peu comme au cinéma, non? Non. Bon, on va voir. On va faire une interview dans la vraie vie. Concentrez-vous, concentrez-vous, Evelyne aussi. Est-ce que dans la vraie vie, il vous arrive de vous jouer la comédie l'un à l'autre? Bah non, nous on a la comédie et on ouvre la porte de la maison puis boum, ouais, on a la comédie ouais. derrière. Donc à la maison vous êtes comment alors? Bah à la maison on n'a pas besoin de ça, on fait autre chose. Il joue mal à la maison. Il joue mal. Ah, je t'aime Manon, je t'aime. C'est vraiment naze. Est-ce que dans la vraie vie, il vous arrive d'entendre des applaudissements dans les moments de tendresse ou juste après? Oui, pourquoi? Il y a souvent des coups de théâtre dans votre vie, Evelyne? Des trois coups. Est-ce que dans la vraie vie, il frappe les trois coups? Oui, c'est ça. Non. Non, j'essaie hein. j'essaie de tant que faire se peut d'entretenir le brigadier. Alors là, c'est pas... Là, c'est pas lamentable. Là, c'est quoi? Non. J'essaye de transformer la vie tant que faire se peut, et en tout cas le quotidien, comme quelque chose qui est plus magique et plus mystérieux et plus agréable et plus rigolo, voilà. tant que faire se peut. Alors, ça c'est important. Est-ce que dans la vraie vie, vous faites relâche le lundi? Pas du tout. Pas du tout. Non. Est-ce que dans la vraie vie, vous avez déjà trouvé un amant dans le placard? Non. Non. Donc c'est pas du tout comme au théâtre, finalement, la vraie vie? Pas vraiment, non. Il y a un entracte, non? Est-ce que dans la vraie vie, Pierre, il y a une scène que vous ne vous lasserez jamais de jouer avec Evelyne? Il y en a plusieurs. Oui. Oui. J'ai dit une. Une seule. Ma cassette. Oui. Oh, bah, il y en a au moins une, oui. Oui, bien sûr. Ma cassette. Est-ce qu'il y a une scène dans la vraie vie que vous voulez plus jamais jouer avec Evelyne? Il y a des scènes que je n'aimerais pas avoir à jouer avec Evelyne. Ouais. Quoi, par exemple? Ah, ça. Il y a des scènes d'accord. qu'on rejouerait bien, honnêtement, hein, pour revenir à la question précédente. Ouais. Il y a des scènes que je rejouerais voilà, bien. Voilà, il a des souvenirs. Ouais. Carré, je ne vous le dirai pas, parce que vous en nourrirez. Attends, Ouais, le parking, l'anecdote du parking. En dehors de la chambre, la loge et tout ça, quand elle vous a connu. Il y a d'autres endroits. La cuisine, la buanderie. Pierre. Tu es très buanderie, Pierre me dit. Non, pas du tout. Non, on était très voiture, nous, voilà. Voilà. Oui, mais alors après, pour la revente... Et plutôt break ou très voiture, on a eu de très jolis retours de tournage en voiture. Un message de la prévention routière, il ne faut pas inciter les gens à baiser au volant, parce que ça peut être très dangereux. Nous n'étions pas au volant. Alors allons-y, mes enfants, allons-y. Qui conduisait? Bah, pas nous. Ah,
Ah là là, ah, d'accord. Il y avait du monde. Là, c'est dégueulasse. Ah, il y a du monde. C'est plus lamentable, c'est dégueulasse. Eh oui. C'est pitoyable. C'est con, ça, hein. Salomé, vous êtes la fille de Claude Lelouch et d'Evelyn Bouix. C'est vrai. Et vous avez grandi avec Pierre Arditi, qui était donc le mari d'Evelyne à ce moment-là. Alors, vous avez débuté au cinéma à l'âge de 12 jours. C'est pas un peu tard, ça, pour... pour commencer une carrière. Pour commencer, oui, c'est pas... Votre mère savait ce que ça coûte de quitter l'école trop tôt, et elle vous a interdit de le faire. C'est Pierre qui m'a interdit de le faire. Ah ouais. C'est Pierre qui, au moment où j'ai voulu partir de l'école à 16 ans, m'a dit « Non, non, maintenant tu ramènes ton cul à l'école et tu passes ton bac. » C'est un bon père, ce Pierre Arditi, quand même, hein? Très bon. Est-ce qu'il est dans l'intimité, comme quand il vient dans cette émission, il dit toujours « C'est lamentable. » Voilà. Oui. Il le dit aussi. Bon. On pensait que ça nous était réservé, mais non. Non, pas du tout, non. Bon, il le dit tout le temps. Désolée de vous décevoir. Il le fait bien, hein. C'est lamentable. Oh. On accueille maintenant Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann, bonsoir. Bonsoir. Donc, quelques mails, Jean-Luc, avant de commencer. Un mail d'Étienne Moujotte, vice-président de TF1, où vous animez tous les jours Attention à la marche à 12h05. Jean-Luc, si tu fais plus de 30% de part de marché sur les 15-35, chez Ardisson, t'es viré. Non, il le dirait, si tu fais 15%, quand ouais. même, il parle un peu comme ça. Oui, il c'est dit, vrai. Il est un peu comme ça. Il est, ouais. Si tu fais plus de 30%, et ouais. je suis sûr, Étienne, que nous les ferons. Voilà. Jean-Luc a été une voix des guignols, donc effectivement, c'est imiter tout le monde. Alors, c'est vrai que Étienne Moujotte lui-même n'arrive pas à savoir qui est Fontaine et qui est Bataille. Ah, je ne sais pas. Alors, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Ouais. C'est vrai que le prochain grand prime time de TF1, c'est les 100 meilleures émissions de best-of des meilleures émissions. Ça, je ne sais pas. Joli, bravo. Produit par Arthur, bien sûr. Bien sûr. Bien. Jean-Luc Reichmann, vous avez déclaré « Je voulais être Coluche, mais c'était déjà pris comme boulot. » C'est vrai. Donc maintenant, vous essayez de prendre le boulot de Guy Lux. Non. Non, j'ai animé... j'ai animé Jeux sans frontières. C'est vrai. C'est vrai. Une saison, c'était un bonheur. Et là, je me suis senti vraiment Guy Lux. Ouais. Guy, tu peux le faire si tu nous regardes. Non, tu peux le faire avec... Tu sais le faire, bien sûr. Chers amis, bonsoir. Chers amis, bonsoir. Eh bien, il y a Ring Parade. Tout le monde en parle. Ah ouais. Ouais. C'est fait à Bourville. Ouais. Allez, Patrick, retire ton masque. De Funès aussi. Vas-y. Non, mais là, pour... Galabru. Oui, Galabru, oui. Jean Rochefort. Grand Jean Rochefort aussi, oui. Non, Galabru, oui. Non, mais on n'est pas là pour faire, on n'est pas là pour faire Patrick Sébastien, il est déjà sur la 2. Ah, fais-nous Patrick Sébastien. Ah, il est génial. Il est vraiment génial. Et puis Patrick, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il fait très bien Serge Gainsbourg. Un zeste de citron, c'est génial. Bien. Alors, Jean-Luc Reichmann, vous avez découvert votre don très tôt, donc, puisque votre père était directeur de supermarché. Et un jour, c'est l'anniversaire du magasin. Il vous met à l'animation de la vente des saucisses et vous faites un carton. Ouais. Votre premier carton. 4 tonnes en 5 jours. 4 tonnes en 5 jours. 4 tonnes de saucisses. Ouais. Je suis très fier de ça. Quand t'as fait ça, après, t'es tranquille. Ouais. Dans les bronzés, ils faisaient ça aussi. Ouais. Alors, vous faites vos débuts d'animateur à la radio en 81. Oui. En 87, vous venez à Paris. Alors, votre carrière, bon, il y a de la radio, il y a des voix off, il y a plein de trucs. Il y a du théâtre aussi, d'ailleurs. Jean est venue, c'est une des rares personnes qui soit venue. C'était une comédie musicale rock. Ah, oui. Et ta maman est venue, c'était Les Précieuses Ridicules de Molière. Le texte était intégral, mais c'était en rock musical comédie. Et c'est une des rares personnes. Elle était avec Alain Bougrain-Dubourg. C'est mon beau-père. Ils allaient au spectacle ensemble. Ah, ils allaient au spectacle. Ils ont eu un enfant. Ouais. Mais elle est blonde. Mais ça va pas ou quoi? C'est ma sœur. Mais d'accord, ça doit être ta sœur. Amanda défend les blondes un Mais attends. Peu, mais Amanda, c'est elle quoi belle, une blonde? Tu vas pas défendre les blondes, toi. Blonde de Gilbert. Ouais, moi, j'apprends des trucs parce que j'étais pas du tout au courant pour du Grimbeaubourg. Du Grimbeaubourg. Ah, la tour. Ah, la tour, Beaubourg. Du Grimbeaubourg. Du Grimbeaubourg. Bien, donc voilà votre carrière, Les Précieuses Ridicules en rock'n'roll, entre autres, des voix off, de la radio sur les plus grandes chaînes de radio nationale. Mais en fait, vous devenez célèbre Jean-Luc Reichmann dans N'oubliez pas votre brosse à dents, sa dent.
Et tout le monde en parle, en parle. Voilà, et c'est là où moi j'ai découvert Jean-Luc Reichmann. Le deal en fait avec Nagui, c'était je veux bien faire ta voix off, mais je parle quand je veux. C'est lui qui m'a laissé le micro ouvert. Ouais, c'est bien, un peu comme ma fille ici, quoi. C'est, oui. Et ça a été un. Non, mais moi je le remercierai jamais assez. C'était quand même gonflé. Je te couperai au montage. Ferme ta gueule. Non, vous pouviez intervenir quand vous vouliez. Ouais, ça c'était un grand bonheur pour moi. Et il y avait l'homme qui fait les sampleurs ici, Didier Drusan, qui était juste à ma gauche et on s'amusait. Tiens, Didier, envoie un sampleur pour mon. Ouais. Et c'est un grand souvenir avec Didier. Il est génial, Didier. Et il s'en rappelle pas, lui, Didier. Hein. Si, je pense sincèrement. Alors ensuite, vous avez présenté Les Amours, toujours sur France 2. C'est vrai. Et alors là, évidemment, il y a Les Amours, c'est génial. Il y a un truc énorme dans Les Amours. J'imagine qu'on vous en parle toujours, mais moi, c'est l'un des trucs qui me fait le plus rire dans ma vie. C'était quel est l'endroit le plus torride où vous ayez fait l'amour? Ouais. Donc le mari répond, tu connais la formule, d'abord c'est le mari qui répond, la femme est cachée, le mari répond, sur la table de la cuisine. Mm. Et la femme répond dans l'anus. Pouche bisou. Il y a eu des trucs extraordinaires. Il y a la bonne femme qui voit son mec un jour à l'écran et elle était partie sans laisser d'adresse depuis 2 ans. Ouais, il y a des histoires extraordinaires. Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est pire que ça, Thierry. C'est que en fait, à la production, on reçoit un coup de fil et dit enfin voilà bonjour, excusez-moi, j'ai vu une personne que je connais bien et que j'aimerais bien re-rencontrer, tout ça. Il est passé hier dans votre émission en diffusion et tout. Effectivement, ils étaient en couple, mari et femme, et en fait, c'était le mari d'une femme qui avait disparu depuis 2 ans. Oh là là. Et le mec est venu sur le plateau avec une autre femme. Ouais. Oh, c'est insensé, ça. Et on n'avait jamais donné l'adresse, mais c'est arrivé. Il s'en est passé des choses. Hein. Ouais. Et alors un jour, Jean-Luc Reichmann, en 1999, on découvre à l'antenne cette tache de naissance sur votre visage qui avait été jusque-là dissimulée soigneusement par les maquilleuses. Et en fait, vous déclarez à ce moment-là, Yves Bigot m'a demandé de choisir entre la tache et les pompes jaunes. Oui. Et vous avez choisi la tâche. Ben oui, comme ça, j'ai plus de pompes jaunes. En fait... De vous, il a pris les pompes jaunes. Oui, non, mais c'était pour faire un pied de nez, parce que c'est vrai qu'au début, lorsque j'ai commencé la télé, on m'a conseillé de rentrer dans une espèce de pourtant, moule. Pourtant, il y a beaucoup de tâches à la télé, je te le dis. Oui, pareil. Et donc, voilà, j'ai décidé d'être moi-même, et puis c'est tout, et c'est voilà. C'est super sexy. Non, en fait, oui, parce que en fait, ce qui se passait, c'est que... Névus, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Un névus? Un angium. Ah ouais, ouais. Donc, ce qui se passait, anus, c'est avant, angium, c'est après. Névus, c'est après. Non, ce qui se passait, c'est que quand vous sortiez dans la rue non maquillé, les gens disaient, regarde et tout. Donc, vous avez décidé de vous montrer à l'antenne, comme dans la rue. Ouais. C'était assez courageux, je trouve, quand même. C'est gentil. Non, c'est vrai. Non, je le prends, et ça vous pose pas de... Ah, rien du tout. Ah, non, mais je me sens bien. On peut l'enlever maintenant au laser. Il y a plein de possibilités. Et je veux pas l'enlever. Je suis né comme ça et je mourrai comme ça. Ouais. Regarde Gorbatchev, ça lui a... Tu vois, toi? Quoi, moi? Tu vois, toi? Mais j'ai pas de tâche, moi. Non, mais t'as du laser, hein. J'ai fait du laser justement récemment pour enlever un tatouage. On t'appelle Charles Ali Couture maintenant. Et ça fait pas mal du tout. Bon, Jean-Luc, vous savez qu'ici on dit tout, donc on est obligé de tout passer en revue. Il y a eu aussi votre petit dérapage. Oui. Vous en souvenez de ça? Oui, très bien. Vous préférez le raconter ou je le raconte? Ah, vous pouvez le raconter. Un jour comme ça, il y a quelqu'un qui gagne et vous dites bravo, ça fait 3 youpis pour Patrick. Et vous rajoutez non, ça fait 3 youpins. Mm-hmm. Donc bon, voilà, c'est le dérapage. C'est le... Vous vous enfoncez après, vous dites j'espère que les youpins m'en voudront pas. C'est là où c'est devenu un peu grave. Non, mais pas du tout. En fait, ce qui se passe quand on fait des jeux télé comme ça à la chaîne, vous le savez. Différemment. Vous le savez, je m'appelle Reichmann avec 2 N, oui, t'inquiète pas, vous. Tout va bien. Et donc, quand on fait 50 ou 60 émissions les unes à la suite des autres, on en fait 6 quand on fait des jeux comme ça, je faisais Les Amours, on en faisait 6 par jour. J'étais fatigué, j'en étais à la 55e ou 56e, et il y a un jingle qui fait youpi, youpi, youpi. Et donc j'enchaîne au niveau des sonorités, et c'est un très très mauvais jeu de mots. Ouais. Il s'avère qu'ils ont oublié de le couper au montage. Voilà. Et c'est tout simple. Et j'avais demandé qu'on le coupe, et ça n'a pas été coupé. Voilà. Et quand on est fatigué, on peut faire des dérapages, et c'en est un. Je me suis excusé. Je sais. Le lendemain,
Et juste pour la petite histoire, c'était assez touchant pour moi parce que c'est vrai que c'est une énormité, et on en dit et on en fait. Et je me suis excusé. Ah, juste avant mon émission, le lendemain, je suis allé à la direction de la chaîne. J'aurais dit, excusez-moi, c'est un très mauvais jeu de mots. Je m'en excuse pour de vrai. Je m'appelle Rushman, qui plus est, donc avec tous mes ascendants. Et juste pour la petite anecdote, il y a un monsieur un jour qui est arrivé lors d'une conférence de presse et qui m'a dit, j'ai vu ce que tu as fait et tu es la seule personne qui a eu le courage de faire ça avant une émission le lendemain. Ouais. Et depuis, je te regarde totalement différemment et j'ai beaucoup de respect depuis ce jour-là pour Alain Delon, parce que c'était Alain Delon qui me l'a dit. Et il me dit, mais ils n'ont pas compris que tu t'appelais Rushman. Ouais. Et j'ai été très touché par ce monsieur. L'affaire est close. Oui. Alors, Tex vous a remplacé aux Amours. Oui. Vous le trouvez comment? Très, très sympa. Un connard. Attendez, je l'ai croisé. Non. Ah, il est showbiz à mort. Ah, non, non, non. Ah, non, je l'ai croisé, mais pas du tout. Ah, bon. Ah non, non, mais c'est un autre style. Et je trouve qu'il s'est très bien. Il est très bien dans ce rôle-là. J'en ai présenté une. Et alors? Ça m'a beaucoup amusé d'ailleurs de la présenter. Mais pourquoi tu l'as pas présentée après? Ben, parce qu'ils m'ont pas voulu. Je sais pas, j'étais pas assez bien. Ah oui, c'est. Oh. Ah ouais. Trop jeune. Ah ouais. Attends, Serge, c'est quoi le micro de... J'attends, le micro d'Amanda. Oui, il est coincé. Ah, c'est parce que Serge... Il est dans les seins, oui, bah, Laurent. Tombé. J'y vais. Oui, d'accord. Laurent, intervient enfin. On va faire le 18 à chaque fois, Lolo. Bien. Et là, donc, cher Jean-Luc Rushman, vous inventez Attention à la marche. En fait, France 2 n'en veut pas. Et vous allez le faire sur TF1. Oui. Voilà. Avec beaucoup de succès, je crois que c'était un... Ah, oui. Oui, non, ça marche bien. Je suis très content. Ouais, ça marche bien, ouais, c'est bien. Alors, l'émission est basée sur des sondages étonnants. Ouais. Par exemple, 27% des femmes aiment enlever les points noirs de leur conjoint. Ah bon? Combien de pourcents? 27%. Écoute, il y a un truc qui m'avait vachement étonné, c'est qu'il y a... C'était quoi la question? Combien de personnes sur 100 femmes, combien de femmes ont déjà dans leur vie déchiré les habits de leur homme? Ouais, combien? Voilà, combien? Combien tu dis, toi? 16%. Ah bon? Non. Bah non, c'est... C'est combien? Non, moi j'avais dit 90 et en fait c'était 30. Oui. 30, mais c'est vachement bien, 30, c'est énorme. Ah bon? Combien de filles? Donc tu étais la plus proche et tu gagnais par rapport à Chirac. Bien sûr, bah oui. Non mais c'est le décolleté, il faut pas... Ouais, ah, écoute. Tiens, voilà, Rushman est un femme psychologue. Tu l'as vu d'ici, tu... Et il s'est aperçu tout de suite du problème, Rushman. Là, t'es loin, tu viens ici, t'es mort. J'ai honte. Tu arrêtais de regarder. Jean-Luc, tu veux pas animer, tout le monde en parle? Non, 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 non. Assume. Mais pourquoi vous m'avez pas dit tout à l'heure? C'est vrai, enlève-le, c'est chaud. Ils sont dégueulasses. Alors, il y en a une autre, c'est par exemple, combien d'hommes portent un string tous les jours? Ah ouais. À ton avis? 14%. Non, 1%, excuse-moi. Tu, bah. Vois, tu vois des mecs qui sont pas normaux, là. Rejette. Mais non, mais tu sur 100. Ah, aussi. C'est sérieux. Hey, ouais. Combien de filles pratiquent l'appellation? Non, c'est pas... 39%. 69%. Non, mais il y a des trucs très drôles. 9% des Français pensent que les trains roulent plus vite la nuit, par exemple. Ah ouais, ça, je trouve ça extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais. Moi, je pensais ça aussi. Je fais partie de 9%. Ouais. Je pensais que les trains de nuit roulaient plus vite. Ben oui, il y avait personne sur les voies. Ouais. Attends, il y en a une qui m'intéresse. Ah, il est vachement bien, son bouquin. Il y a plein de trucs. 10% des femmes prétendent savoir mettre un préservatif avec la bouche. Ah oui? Tu sais le faire, ça? Non, pas du tout. Mais comment? 68% des Français pensent qu'il ne faut pas tout dire à leur conjoint. 68%? Ah. Ouais, ça fait beaucoup quand ça même. Fait, hein. Ouais. Voilà. Et vous, pensez qu'il faut tout dire à son conjoint? Quand ça fait mal, non, je pense pas. Je pense qu'effectivement, on peut ne pas tout dire, non, pas mentir, mais pas tout dire. Ouais. Pas tout dire. Ouais. Mais justement, on va faire une interview. Et vous, Jean-Luc? Drissant, on t'a fait des compliments tout à l'heure, on a chanté tes louanges, essaye de nous envoyer un jingle qui bave pas comme ça. Donc. Alors, Jean-Luc Rushman, 10% des hommes aiment les femmes au sein siliconé, c'est dans votre livre, et vous? Je dois vous avouer qu'aujourd'hui, je suis allé au salon de l'agriculture. Ouais. J'aime bien le naturel. Ouais. 8% des hommes ne portent pas de sous-vêtements, ce qui est mon cas d'ailleurs. Alors et vous, vous portez des sous-vêtements? Oui, l'été de temps en temps non. 54% des Français se sont déjà cognés la tête contre le mur en faisant l'amour. Et vous? Je roule en deux roues, je porte un casque. 19% des femmes ont déjà mesuré le sexe de leur conjoint. Et vous?
1 centimètre. Ça on l'a mis parce que je trouve ça extraordinaire. Ouais, ouais. Non, moi, je me suis jamais fait rien mesurer du tout. Et vous? Vous avez mesuré le sexe de votre femme? Non. Ah, et non. Vous? Moi, quand j'étais jeune, bien sûr, on jouait à ça, bien sûr. C'était avant-hier, hein, Thierry. Non, c'était pas avant-hier. Quand j'étais étudiant à Montpellier, oui. Et il y a une femme qui vous a déjà mesuré là? Ah oui, on jouait à ça, bien sûr. Bah oui, quand on était jeune. Et alors, combien? Ah non, non, pas mal. Attendez, attendez. Attends. Alors, je suis maintenant chauffeur de salle. Vous voulez ça? Je ne vous dirai qu'une chose, je ne vais pas avoir honte, voilà. Ah, on mesure avant et après, quoi. Bien sûr, puis je sais qu'il y en a qui ont plus ou moins d'expansion. Ouais, voilà. Je ne cherche pas d'excuses, Thierry, c'était en dessous de la moyenne. Non, pas du tout. Attends, on va appeler ta mère, elle va nous dire. Ben, je vais te dire, oui. 85% des hommes, justement, pensent que leur sexe est à la bonne taille, et vous? Ah ouais, très bien. Ah ouais. Oui, ça va. Je ne sais pas, non, mais je suis très content. Ah, si, ça c'est intéressant. 16% des hommes sont dérangés par les cris excessifs de leur partenaire, et vous? Ouais, ça m'est arrivé une fois, c'est... C'est horrible, hein? Ah ouais. Ah ouais, parce qu'on est gêné. C'est ouais. L'agriculture, 10% des Français font l'amour tous les jours, et vous? Ça, oui, ça m'arrive quand je suis en forme, ouais. Tous les jours? Tous ouais. Les jours? Ah ouais, ouais, ouais. Jours. Ah ouais, ouais, bah attendez, pendant les vacances, quittez ah ouais. Longtemps. Ah, 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 ah. Quittez longtemps, les saisons. C'est pas bien d'être en retard. Romain Sardou. Ça va, Romain? Oui, ce qu'il en reste, mais ça va. Ce qu'il en reste, ouais. Alors, vous avez reçu ici pour votre premier roman, qui s'appelle Pardonner nos offenses. Le livre venait de sortir. Et depuis, vous en avez vendu 280 000 exemplaires. Et c'est traduit dans 10 pays. Il est content, votre père? Mon père est très content, oui. C'est bien, hein? Ah oui, c'est bien. Non, c'était... Enfin, j'étais le premier surpris, hein. Je pensais pas... Ouais. Je me doutais qu'on allait en parler, évidemment, ou qu'il allait avoir un petit coup de projecteur dessus pour des raisons... externe à la littérature, mais enfin bon... On ne vend pas 280 000 exemplaires parce qu'on est le fils de Michel Sardou. Non, 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 les gens étaient contents, donc je suis ravi, je continue. Votre père, dites-vous, il a plus d'imagination que le feu sacré? Oui, parce qu'on associe le feu sacré à la scène plutôt, donc ouais. ça m'a jamais vraiment... Ça ne vous intéresse vraiment... pas, non. Non, non. Alors vous savez que votre père, on l'a souvent invité dans cette émission, on a même eu son smoking en vente. Ah bon? Il devait venir l'acheter, il n'est pas venu, vous croyez qu'il nous en veut? Mais j'en sais rien, je vais lui demander et je vous ferai parvenir sa réponse, j'en sais rien. Non, mais il fait pas beaucoup de télé, hein. Non. Il est pas... Vous avez des nouvelles de lui? Il doit se méfier de vous un peu quand même. Vous avez des nouvelles de lui? Ah bah tout le temps, oui, bien sûr. Bon, on va faire une interview, vous avez des nouvelles. Ouais, vas-y. Ah, il y a des nouvelles. Est-ce que... il regrette toujours le temps béni des colonies? Le temps béni des colonies, non, je pense pas, mais il l'a jamais regretté, hein. Il joue un personnage dans cette chanson. Ouais. C'est pas... Est-ce que quand il chante Je suis pour, il pense au string pour homme? Au string pour homme, je pense pas, non. Est-ce qu'il fait toujours l'amour en chantant? Toujours. Bah, ça. Sinon, il déchoirait de son statut quand même assez unique sur le Est-ce qu'il se torche toujours la gueule dans les bals populaires ou bien il préfère Saint-Tropez maintenant? Ah non, il est plus bal populaire, Saint-Tropez, pas trop. Il veut toujours pas qu'on l'appelle France? Toujours pas. Il aime toujours les ricains? Non, de moins en moins. Ah ouais? Ouais, il était pas trop bon. Ça, c'est une longue histoire, mais non, non. Enfin, il aime les ricains pour ce qu'ils ont fait et pour ce qu'ils nous ont fait. Comme tout le monde. Être complètement con pour dire tout mélanger. Mais sur le final... D'ailleurs, il n'y va plus, hein. Il est tout le temps aux États-Unis. Il habite toujours en France, puis finalement, la France, c'est beaucoup mieux que ce qu'on dit, non? C'est beaucoup en Corse, hein. Il se corsise beaucoup, ça doit être l'âge. Est-ce qu'il pense au sida quand il dit « elle court, la maladie de l'amour » Il n'y pensait pas à l'époque, en tout cas, c'était pas d'actualité. Vous pensez qu'il viendra un jour dans cette émission? J'ai des doutes, quand même. Ah oui? Ouais. Je sais pas, je pense pas qu'il sera à l'aise dans ce genre de truc. Mais bon, je vais pas répondre à sa place, mais je pense pas, c'est pas trop son truc. J'accueille Cynthia Sardou. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien, merci. Vous avez le trac un peu? Un petit peu, c'est normal, je Faut pense. Pas. Tout va bien je se passer. Je suis ravie d'être là. Moi, je suis ravie que vous soyez là. Alors, vous êtes la fille, Cynthia, de la première épouse de Michel Sardou, Françoise Pétré. Qui à l'époque était danseuse au Châtelet. Vous êtes née en 1973, en même temps que Romain Sardou, que nous avons reçu souvent ici. Alors,
à l'époque où vous naissiez, donc, de l'épouse de Michel Sardou, Romain naissait de Babette, qui à l'époque n'était pas encore la femme, n'était pas encore la deuxième femme de Michel Sardou, mais était sa maîtresse, c'est ça. On a un mois d'écart, tout voilà. simplement. Ouais. Voilà. Alors, Michel voulait un garçon, et de toute évidence, c'était pas vous. C'était pas moi. C'était pas moi, et je pense que... moi, je l'ai... Comment expliquer ça? Vous dites aux yeux de mon père, j'étais une erreur, quoi. Oui, je le pense sincèrement. D'ailleurs, je n'ai pas honte de ce que j'ai écrit. Je n'ai pas honte de ce que je suis aujourd'hui, parce que je suis une fille et je suis ravie d'être une fille, finalement, parce que... Mais lui, il voulait un garçon à l'époque, voilà. Voilà, oui, ouais. Excusez-moi. Et alors, votre mère vous en a voulu, en fait, parce qu'elle a pensé, elle s'est imaginée que le fait que vous soyez une fille a aidé Michel à se séparer d'elle, en fait. Elle vous a un petit peu rendu responsable. Elle en est persuadée, oui. Elle en est toujours persuadée aujourd'hui. Oui, parce que j'ai d'ailleurs... Il y a une lettre qui me le prouve, justement, et que j'intègre dans l'histoire. Donc, effectivement, même 30 ans après, vous voyez, visiblement, c'est resté. Ouais. Et vous, donc, vous avez grandi avec ce sentiment de culpabilité? C'est-à-dire que vous vous sentiez un petit peu responsable de leur rupture? Je me suis complètement sentie responsable de cette rupture, déjà parce que j'ai pas vécu, je peux pas dire que j'ai eu une enfance, parce que j'en ai pas eu. Mon père a effectivement donné ce qu'il fallait pour notre éducation. En revanche, moi, je ne considère pas avoir reçu d'éducation. Je me suis éduquée toute seule. Je m'étais créé un monde à moi, dans ma tête, un monde merveilleux qui m'a permis de résister absolument à tout. C'est-à-dire dans mon mental, c'est mon mental qui a fait que j'ai résisté à toute la violence que j'ai subi. Alors, à l'époque où vous naissez, Michel Sardou est en train de devenir une méga vedette, vraiment une star nationale. Et en fait, vous décrivez l'envers du décor. C'est-à-dire que, par exemple, il est très sympa comme ça quand il est avec des gens. Et quand il est à la maison, il y a un cendrier qui est déplacé. Il rentre dans une colère noire. Il lance des regards absolument terribles aux gens. Oui. Effectivement. Ouais. Enfin, c'est... Oui, il est comme ça. Non, alors, mais... Après son divorce, Michel Sardou épouse Babette, donc sa seconde épouse, et votre mère épouse, dites-vous, un pseudo-producteur de musique que vous ne citez pas, vous ne donnez pas son nom, et lui est intéressé en fait par les relations de votre mère, par le carnet d'adresses de votre mère, par l'argent que votre père verse à votre mère, mais en fait, vous l'appelez le funeste d'ailleurs, ça ne sera jamais quelqu'un de positif pour vous en tous les cas. Non, jamais, non. D'ailleurs, je tiens à préciser que pour moi, il s'agit bien d'un criminel en liberté, ce n'est pas autre chose. Ouais. C'est un personnage terrible parce qu'il exige que vous l'appeliez papa, mais il vous bat. Et il vous battra pendant des années, en fait. Oui, j'ai vécu dans cet entourage pendant plus de 15 ans. Ouais. Donc quand vous vivez ça tous les jours, effectivement, il y a un moment où il faut partir, il faut s'en aller. Et votre mère dit rien? Visiblement non. Je dirais que ma mère était une absente avec un grand A. Et il n'y a pas. Je pense que quand on aime quelqu'un, l'amour parfois peut aller si loin qu'on est aveugle de tout ce qui se passe autour. Et je pense que oui, elle c'était est restée passive. C'était un moyen pour elle de le garder que d'accepter ce qu'il vous faisait subir, en fait. Peut-être, oui. Ouais. Quand vous voyez Michel Sardou, ça ne se passe pas mieux parce que vous voyez très peu. Mais quand vous voyez, par exemple, une fois vous avez 5 ans, il est très dur avec vous. Un jour, vous refusez d'évacuer la salle de bain. Il vous traite de tas de merde, quand même, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais 5 ans. Et je m'en rappelle. Ouais. C'est même étonnant. Mais la psychanalyse a fait remonter encore des choses à la surface. Parce qu'on croit toujours que tout est enfoui et qu'on l'oublie. Mais en fait, c'est en soi. Et après ça, il ne s'est pas excusé, quoi. Michel Sardou s'excuse rarement, en général. Alors, les bons moments, finalement, c'est avec votre grand-mère, Jackie Sardou. Alors là, ça se passe super bien, quoi. C'est vraiment quelqu'un que vous C'était une que vous femme adorez, extraordinaire. Qui vous donne beaucoup, oui. Oui, et qui a été très présente. Et d'ailleurs, même dans des contextes, je dirais,
complètement loufoque parce qu'elle était, elle a mis le scandale dans un restaurant un jour et c'était très drôle finalement. Bon, c'était une femme exceptionnelle, c'est une grande dame, c'est une grande comédienne parce que je pense qu'on lui a pas rendu hommage comme il aurait fallu le faire. Ouais. Et j'avais envie de le faire et ça me fait bien plaisir. Ouais. Alors, ce qui est terrible pendant toute votre enfance, en fait, c'est que le sujet Michel Sardou, chez vous, est un tabou. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas, sauf pour dire que c'est un abruti. Ou alors quand il passe à la télé, on zappe. Donc, en plus, vous vivez dans le déni de votre père pendant toute votre enfance et votre adolescence. Oui, je veux dire, on nous a fait aussi du bourrage de crâne pendant très longtemps. Ouais. Et ça, il faut le dire aussi. Et donc, effectivement, quand vous avez du bourrage de crâne pendant tout ce temps, c'est normal qu'au bout du compte, vous disiez, bon, bah, ok, bah non, quoi. Effectivement, ça peut... Ça gâche les relations, quoi qu'il arrive. Ouais. Alors, je disais, en commençant, que votre livre était extrêmement bouleversant, parce que vous vivez, finalement, dans cette maison où on critique votre père sans arrêt. Mmh. Quand vous voyez votre père, il vous traite de tas de merde. Et pour vos 12 ans, votre beau-père vous roue de coups, carrément. Vous êtes complètement recroquevillé, tout ça. Donc, à un moment, évidemment, c'est très bouleversant, cette histoire. On souffre pour vous. Quand vous êtes dans l'incapacité de bouger et effectivement vous êtes au sol et que vous ne pouvez pas bouger pendant un temps, la seule arme qui vous reste, c'est votre esprit. Mmh. Et c'est ce qui s'est produit également dans la tentative de meurtre. C'est-à-dire que votre mental, il reste que ça pour finalement trouver, pour garder et pour rester en vie. C'est un instinct de survie. Est-ce que votre beau-père, il vous bat parce que vous recevez des copines en pantoufles, par exemple? Moi, je me suis demandé sincèrement ce que je faisais là. Je veux dire, j'avais rien à faire là. Et c'est logique, vous partez à un moment donné parce qu'il n'y a rien à faire. Alors justement, Cynthia, quand vous partez pour faire des études, tout ça, vous apercevez qu'en fait, le fric que Michel Sardou donne à votre mère, votre beau-père le garde pour lui. Donc en plus, vous n'avez même pas les moyens de faire des études. Enfin, vous êtes complètement bloqué. Je me suis offert une année ici parce que j'ai voulu le faire. Bah, j'ai travaillé pour ça. J'ai travaillé pour payer mes études, effectivement, même si c'était pas énorme. J'ai fait ce que j'ai pu, tout simplement. Mais vous êtes courageuse. Non, c'est vrai. Et malgré tout, à un moment, vous pensez à vous suicider quand même. Oui, effectivement. Et c'est un cloche. Vous êtes sauvée par une épave. Un alcoolique qui me sauve la vie. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Ouais. Alors, vous commencez à vous en sortir, vous commencez à bosser. Jackie Sardou vous fait rentrer chez Daniel Filipacchi comme maître d'hôtel. C'est excellent. Il était sympa, Daniel Filipacchi? Assez, oui. Assez oui, bien sûr. Ça se passait bien? Très bien. Voilà. Alors, vous faites des petits boulots, des petits jobs. Vous commencez à vous intégrer à la société. Vous commencez à exister. Vous travaillez à e-télévision, donc, qui est une filiale info du groupe Canal+. Et là, un soir... voilà, vous quittez e-télévision, vous rentrez chez vous et dans le parking de votre immeuble, vous êtes carrément enlevé par trois mecs. J'ai été suivi en voiture et puis j'ai été enlevé dans ma voiture. Trois mecs qui vont vous violer pendant 2 heures. Oui, qui vont m'enlever, me séquestrer avec un couteau, bien sûr. Enfin, le couteau est pas loin, en tout cas. Et puis, bon, en plus, je sais même pas où on m'emmène. Je sais pas ce qui va m'arriver. Effectivement, on peut s'attendre à tout. Parce que quand on voit le visage d'un criminel et qu'on peut le reconnaître, effectivement, j'étais à deux doigts d'exploser dans mon auto. Donc, c'était... Ouais. Alors à ce moment-là, votre mec vous lâche. Et à un moment, Sardou, pour vous rejoindre à ce moment-là, a un accrochage dans le tunnel de la Défense et se brise la mâchoire. Alors, c'est vraiment un enchaînement de choses absolument, absolument terribles. Et vous trouvez refuge, en fait, chez Michel Sardou, qui vient de se remarier donc, pour la troisième fois avec Anne-Marie Perrier. Vous commencez à vivre un peu chez eux. C'est lui qui vous le propose, en fait. Oui, tout à fait. Et au bout d'un moment, il vous le reproche. Oui. Oui, effectivement, il y a un mois tout juste après les faits, j'avais quand même dans le sang
un traitement de VIH qui est quand même difficile à supporter, parce qu'en plus j'ai repris le travail 10 jours après et je suis retournée à la chaîne. J'étais en traitement thérapeutique et effectivement j'avais toujours dans ma tête, je me demandais si j'allais avoir le sida ou pas. Ouais. Et effectivement, je travaillais à la chaîne, je rentrais le soir et tout ça. Et puis effectivement, un matin, j'ai eu effectivement une engueulade avec mon père en privé. Ouais. Et on m'a foutu dehors, quoi. Ouais. On m'a foutu dehors. C'est-à-dire qu'en fait, il vous reproche de squatter non seulement son appartement, mais sa femme. Et puis, alors, ce qu'il y a pire que tout, c'est qu'il vous dit que vous mangez du poisson et que ça lui coûte plus cher que la viande. Ça, j'avoue que ça m'a complètement... Je ne peux pas manger de viande. Ouais. C'est impossible pour moi. Je ne pouvais pas parce que, suite aux faits, c'était impossible. Bien sûr, ouais. Et parce que je ne me forçais pas. Et je me suis forcée, en plus de ça, parce qu'il m'a quand même fait manger de la viande. Ouais. Je ne le dis pas, mais ce n'est pas grave. Ouais. Alors, il vous dit que vous êtes nul, que votre thérapie, c'est de la merde. Enfin, vraiment, on ne peut pas dire qui vous aide. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'en fait, vous n'en auriez pas parlé, on ne l'aurait jamais su. C'est-à-dire que tous les journaux, tous les magazines français, les radios, les télévisions, ont accepté de ne pas parler de votre viol. Je le dis aussi. Oui, vous le dites, oui. Et alors, lui, en fait, il ne va pas au procès, justement, pour pas qu'on en parle, pas, j'imagine. Je ne demandais pas à ce qu'il soit là, parce qu'effectivement, la presse aurait pu attirer l'attention de la presse, ouais. Justement. En revanche, un coup de téléphone ou un petit mot gentil, ouais. Avec un bouquet de fleurs, ça fait de mal à personne. Ouais. Alors, vos agresseurs sont condamnés à 15, 13 et 10 ans de prison, ce qui est plutôt bien, non? Plutôt pas mal. Mmh. Mais alors, votre père, qui a toujours parlé de faire justice lui-même, qui a toujours dit qu'il était pour la peine de mort, il a laissé la justice faire son travail sans intervenir sur ce coup-là. Effectivement. Mmh. Ouais. Alors, quelles ont été les réactions de Michel Sardou à votre livre ? Il a eu une très bonne réaction. Mmh. Il a très bien réagi à ça. Et c'est plutôt agréable à entendre. Mmh. Et je suis ravie. Il y a de la rabiboche dans l'air ? J'en sais rien. Il a dit qu'il reconnaissait qu'il n'avait pas été un bon père, d'une certaine façon. Bien quoi. Sûr. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas que Michel Sardou s'est comporté comme ça avec vous? Parce que lui aussi a été... finalement, il n'a pas eu ses parents. Il était en pension au Moncel. Il voyait rarement son père, rarement sa mère. Et peut-être ça ne l'a pas habitué à être un bon père, d'une certaine façon, non? C'est pas... Je lui en veux même pas d'avoir été absent. Ouais. C'est marrant. Moi, je lui en veux pas d'avoir été absent, parce qu'un artiste déjà ne se comporte pas comme quelqu'un de normal. C'est pas quelqu'un de normal, un artiste. Ouais. Un artiste, c'est quelqu'un d'à part, différent des autres, qui reste dans une... qui est solitaire. Et donc, je ne lui en veux pas d'avoir été absent, parce que je sais qu'il a donné ce qu'il fallait. Donc, je ne lui en veux pas pour ça. D'ailleurs, je ne lui en veux pour rien. Moi, je suis partie et j'avais des raisons très personnelles de le faire. Et d'ailleurs, j'ai écrit ce témoignage parce que j'ai eu d'autres pressions aux États-Unis et que j'en ai eu assez. Mais quelles pressions vous avez eues aux États-Unis? J'ai eu des coups de fil désagréables parce que j'avais écrit ce témoignage au départ pour moi et j'en ai eu assez de supporter, parce que tout ça, ça a fait remonter la peur et mon passé, et j'en ai eu assez. Je me suis dit que les gens avaient le droit de savoir. Ouais. C'est tout. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois, Michel Sardou? Je l'ai vu il y a 2 ans et demi. C'était juste avant mon départ aux États-Unis. Ouais. Pas depuis. Je l'ai vu au théâtre. Ouais. Que je le cite. Ouais. Il vous a téléphoné depuis l'apparition du livre? Non. Vous pensez que ce livre va aider ou aggraver votre relation avec lui? Déjà, il n'y a pas de relation pour l'instant, donc. Il n'y a pas de dialogue, effectivement. Et d'ailleurs, je ne cherche pas à en avoir. Moi, j'ai fait un choix. Je suis partie parce que c'était la seule façon de m'en sortir. Maintenant, je vous dis sincèrement que si je continue à être embêtée là-bas et si on continue, je ne vais pas non plus pousser loin les pressions, mais j'irai jusqu'au bout. Vous regrettez pas de ne pas lui avoir dit tout ça de vive voix plutôt qu'à travers un livre, hein, votre père? J'ai essayé de le faire plusieurs fois et il n'y a pas de dialogue. Le dialogue ne passe pas. Non, alors... mais je les aime, mes parents. Je ne les renie pas. Je ne renie personne. Sauf qu'il y a un moment, il ne se passe rien. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux dire, il n'y a pas d'issue.
Vous pouvez pas changer les gens. Monsieur le ministre, le mot de la fin. Non, je suis un peu gêné, pardon de vous le dire, parce que je crois que dans les affaires privées, vraiment quand il s'agit de la vie des couples, la vie amoureuse des gens, la vie affective avec ses parents, personne, non seulement ne peut juger, mais personne n'a le droit de juger. On ne peut pas dire qu'on dise des vérités. Il n'y a pas de vérité dans ces affaires-là. Quand des gens se séparent, quand des gens se fâchent, entre parents-enfants, entre si proches que ça, entre mari et femme, personne n'a le droit ni le pouvoir de savoir ce qui s'est passé vraiment. Et donc je suis... Au fond, ce que vous dites là... Il faut le, enfin, probablement c'est à lui que vous le dites d'ailleurs, mais il faut le dire à votre père, peut-être à votre analyste, mais au fond, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment du courage à le publier. En plus, je ne suis pas sûr que ce soit bon pour vous. Voilà. Mais bon, il faudrait en parler un peu plus longuement. Mais dans ces affaires-là, ne croyez pas que personne ne pense qu'on puisse dire « Ah, il est mauvais, il a tort, il a raison » ou « la pauvre » ou « le méchant ». On ne peut jamais savoir comment ça se passe. Peut-être que ce que vous dites est entièrement vrai, mais de toute façon, moi, je ne le saurai jamais. Personne ici ne pourra jamais juger. Et donc, peut-être ce sont des choses qu'il faut dire à lui, mais pas aux autres. Et donc, oui, je suis toujours un peu gêné quand la sphère privée s'étale en public, alors que, bon, voilà, vous livrez ça aux chiens, si je puis dire, à des gens qui vont dire du mal de lui, dire « Oh, c'est un salaud !» Mais personne n'en saura jamais rien. Moi aussi. Oui, mais c'est votre affaire, c'est avec lui, si vous voulez. Il faut régler ça avec son père, mais pas avec les autres. Michel Sardou est très secondaire dans mon histoire, quand même. Oui, enfin, si c'était pas lui, on n'en parlerait pas ici, il faut être honnête. Simplement que j'ai vraiment peur qu'en passant du très privé comme ça au public, vous soyez extrêmement déçu après, parce que le jugement des autres a probablement aucun rapport avec ce que vous avez vécu. En tout cas, n'attendez pas d'eux qu'ils comprennent forcément ce que vous disiez ou qu'ils puissent être juges en l'affaire. C'est vrai que quand on écrit un livre et qu'on ne le déchire pas après, c'est quand même qu'on a besoin des autres pour comprendre ou pour juger ce qu'on a vécu. Et quand c'est des affaires très privées, je crois que on risque de se tromper, d'être déçu. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, surtout. Mais ouais. Pas à ces points méchanceté. Moi, je voudrais vous répondre simplement que le crime n'a pas de visage. Et que quel que soit le contexte social où que vous soyez, le crime arrive n'importe où, n'importe quand, et qu'il n'y a pas de lieu... et en revanche, il n'y a pas de... tout peut arriver dans une existence, tout est possible et rien n'est impossible dans le cours d'une existence. Et c'est ça le message. Merci. Et maintenant, voici Marilyn Manson. Non, je voulais qu'on fasse rentrer mon invité surprise. Ah, ton invité surprise, alors. Bah, c'est une réaction par rapport à certains emails qu'on a reçus. Ouais. C'est vrai qu'on n'est pas des puristes, on n'est pas forcément des linguistes, mais il y a des gens qui sont irrités derrière leur poste parce qu'il nous arrive parfois, surtout à toi Thierry, parce que moi je ne suis pas là très souvent, il nous arrive de faire des fautes de français. J'ai compris qui c'est. Donc j'ai invité Yoda, mon maître. Oula, qui va être là juste pour contrôler que les tourneurs de phrases seront d'accord. Corrects. Voilà. Avec Marilyn Manson. On l'appelle maître Capello tout de suite. L'invité surprise de Laurent Baffi. Juste là. Bonsoir, heureux de vous voir. Et réciproquement. Réciproquement. Ben, la dernière fois que je vous ai vu, c'était aux Folies Bergères, on faisait double jeu, et on avait fumé un pétard ensemble après l'émission. Ça m'étonnerait beaucoup. Alors, moi, ça m'étonne pas du tout. Hein. Alors, simplement, Maître Capello est là pour un peu superviser la bonne tenue, les belles constructions de phrases, et puis faire la chasse au barbarisme. Et aux fautes en général. D'accord, mais d'accord. D'ailleurs, je vous soutiens. Des grincheux vont vous reprocher le 23 avril sans liaison. Oui. C'est vous qui avez raison. Et voilà, et voilà. Parce que vous dites 3 avenues, la liaison. Oui. Mais dans 3 avril, je te remercie, ça ne nullifie pas. Donc, d'accord. C'est une bonne idée. Il paraît que tu as fait trop court la semaine dernière. Donc, déchirer ses lettres de mécontent. Il a arrêté la dope apparemment. Vous avez arrêté les... Point besoin de joint. D'accord. Très bien, maître. Bien, vous restez avec nous donc. Et si de toute façon, c'est vite. C'est toute une installation. À mon avis, il ne partira plus. Je vais rester, c'est toutes les semaines. Hein. Bien. Tu vas voir à quel point il est précieux.
Donc je vais être un petit peu la dompteuse d'hommes, hein, c'est-à-dire que cette innocence... Dompteuse. Oh putain. Sans ah voilà, alors voilà. Bien, bien. Ok. Il m'a fait café l'eau. Bien. Oui. La fille décide de vraiment devenir une... Ah, oh, mais vous savez de quoi je parle quand même. Non. Bah c'est rien, on collectionne. Ah d'accord. Bah oui. Pour montrer qu'on s'en fout quoi. Non, pas du tout. C'est une cochonne grave. Dominer la situation. Le fait que je maîtrise l'irakien et l'arabe peut en tout cas aider beaucoup d'associations humanitaires. Ouais. Elle est parfaitement bilingue. Elle est parfaitement bilingue. Ça mérite des applaudissements. Il y a un truc. Il se remet en marche tout seul, hein. Mais... Il vaut mieux en sourire hein, que... Ouais. Le mot Irak oui. Peut bien dire le rivage. Oui, non, c'est dire paye. Instruisez le peuple en le répétant. Très bien, merci. Ça, les gens chez eux... Ça va le dire. Tu vas voir le zapping lundi, toi, tu vas voir. Ça gagne à être connu. Oui. Rivage de quoi? Tigre et Euphrate. Bien sûr. Bah, bien et la Mésopotamie, sûr. C'est... entre les deux fleuves, parce que Méso, exactement. C'est le milieu, Potamo, c'est le fleuve, fin. C'est entre le Tigre et l'Euphrate. Il bravo. Connaît le grec. Trop fort. Hey, c'est le service public, hein. Bon. Et l'Hypothalamus, c'est un resto. Exactement, c'est bien connu. Le Bihan, non breton, veut dire le petit. Alors, il est grand. Ah, le bilan, ça veut dire le petit. Le c'est génial d'avoir Capello. C'est génial. Enfin, il décrypte tout, c'est extraordinaire. Oui. C'est normal. Ah, ouais. Et Rouve, ça veut dire quoi, Rouve? Rouve, c'est le chêne. Rouve, c'est le chêne. Oui. Le chêne. Moi, je fais du chêne, Capello. Rouve, c'est le chêne. En quoi? Le Rouve. En français classique, en gaulois. Ah bon. C'est du gaulois. Oui. Hein. Parfaitement. Fort comme un chêne. Italien. Comme un chêne. C'est bien, non? C'est la classe ou pas? T'imagines, on a le petit et le chêne à côté de l'autre. Le petit, théoriquement. Théoriquement, oui. Alors, Samuel, avant de parler du film qui vous amène ici, je voudrais qu'on revienne quelques instants à la case départ, qu'on fasse une espèce de et pas un espèce. Très mais, bien. Mais je sais, maître. Une espèce de... Je fais gaffe à ce que je dis. Il n'est pas tombé dans le piège. Voilà. C'est un peu compliqué, ce soir, je t'expliquerai après. Baffy a une idée, c'est l'invité surprise de Baffy. Donc on est obligé... J'ai l'impression de pas deux fois, quoi. Ouais. Enculé, c'est français. Anagramme de Lucerne. Excusez-moi, maître, bien. Non, mais vous avez déjà fait de la boxe, vous, de toute façon, avant d'entrer à la Comédie Française. Ouais, ouais. Ouais. En loisir, j'en ai fait un petit peu, oui, parce ouais. que j'aimais ça. Ouais. Mais là, j'étais coaché par Stéphane Ferrara, c'était autre ah chose. Ouais. Ah bah c'est bien, le regarde. Le petit là, est un grand. Oui. Goldé. Laurent, attends. Non, mais Laurent le met sur pause de temps en temps, mais le problème, c'est qu'il démarre tout seul. Faut pas l'arroser, mais sinon, c'est pas bon. Dans quelle catégorie êtes-vous? Comment? Dans quelle catégorie? Les bons acteurs. J'ai des points moyens. Très fort. En loisir. Il est vachement intéressé. Il s'intéresse à tout. Ah, il faut le dire. J'intéresse le monde entier. Et toi, tu le monde entier. Jeu de mots. Ma prothèse. J'accueille Marilyn Manson. Bonsoir. Vous parliez de drogue tout à l'heure. Yes, yes. Et j'étais même pas encore arrivé. Bonsoir, Marilyn. Donc, vous appelez Marilyn comme Monroe et Manson comme Charles Manson. Ça vous est venu comment, cette idée d'accoupler le nom d'un tueur en série sataniste avec le prénom d'une icône glamour de l'Amérique? Je voulais être la meilleure représentation possible de l'Amérique. Votre surnom, c'est Antéchrist Superstar. Ça, c'est bien. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Faut le prouver. Hein? Antéchrist Superstar. C'était le nom, d'ailleurs, d'un de ses albums. La relève est assurée. Yes. Voilà. Et Marilyn Manson est une star donc du shock rock, ce qu'on peut appeler le shock rock. Alors dans la tradition de bah, des Stones avec Sympathy for the Devil. Ensuite il y a eu Black Sabbath avec Ozzy Osbourne, Alice Cooper, les Sex Pistols. Je suis un anarchiste, je suis l'antéchrist. Chanté Johnny Rotten. Alors
on est très content de vous avoir ce soir parce que vous êtes une star mondiale, Marilyn. Juste Thierry, il y a un email qui vient de tomber. Beaucoup de gens règlent leur téléviseur, tout ça est normal. N'essayez pas. Non, peut-être les que gens viennent maintenant. Peut-être que les gens croient qu'ils regardent deux chaînes à la fois. Une chaîne où il y aurait Maître Capello, une chaîne où il y aurait Marilyn Manson. Pas du tout. C'est la même chaîne, c'est France 2. Bien, on va commencer par le début. Marilyn Manson, vous êtes né le 5 janvier 69 et votre vrai nom, c'est Brian Hugh Warner. That's right. That's right. Exact. Votre père était un ancien mécanicien d'hélicoptère au Vietnam. Non, pardon. Si, si, yes. Yeah, yeah, yeah. No, that's right. Mais je me trompe jamais, moi. He was also, également, manager of a furniture il gérait une, un magasin de meubles, ouais. Kmart. Kmart. Oui. Et les seuls moments d'intimité de votre père avec vous, c'était quand il vous emmenait au stand de tir pour vous apprendre à tirer. Ça, c'était un vrai moment d'intimité avec lui. Et puis aussi, il vous emmenait au concert de Kiss. Hein. I was about 12 J'avais à peu près 12 ans ouais. Et mon père avait ouais. justement un maquillage Kiss et m'a amené ouais. au concert dans cette tenue. Ouais. Et mon papa cool, était cool, hein, ça tient ouais. bien. Alors ça, c'est votre papa. Votre maman, c'est l'inverse. Elle était très, très possessive, très, très étouffante, comme ça. Et quand vous êtes petit, Marilyn Manson, vous passez beaucoup de temps chez vos grands-parents et vous découvrez la sexualité dans la cave de votre grand-père. Voilà. Alors, dans la cave du grand-père, hein, ça te plaît, ça te gêne. Hein? Ah là là. Alors, dans la cave du grand-père de Marilyn, il y avait quoi, Maître Capello? Dans la cave du grand-père de Marilyn Manson. Je me demande. Il y avait des lingeries féminines. Il y avait des godemichés, enduits de vaseline, des godemichés. Vaseline. Hein, vaseline. Vaseline, en effet. Et puis il y avait aussi des photos zoophiles. Hein. Ah, yes, yes. C'est juste, oui, c'est vrai. Drôle de grand-père, with a horse. Ouais. Avec yeah, un cheval, no. notamment. Well, the thing was, when I was a kid, voyez-vous, quand j'étais gamin, mon grand-père me paraissait monstrueux. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que mon grand-père était... Ben, je suis comme lui, hein. Donc il n'est pas si mal que ça. Ouais. I don't like the enfin, disons animals. Que j'aime pas trop les animaux, enfin les films, ouais. zoophilie, la zoophilie, c'est j'aime pas truc. Trop. Qui n'a pas tiré un cheval dans sa vie ouais, c'est enfin, j'étais la pire, non. J'aime vous voir rire, son père. Alors, donc, vous allez à l'école, à l'Heritage Christian School, hein, et là, évidemment, vous on vous a... Dit, pardon, parce qu'il a aussi il agrégé d'anglais. Il commence fort bien. Ah. Agrégé d'anglais. Je sens que je vais m'en faire un ami de Capello. Merci, maître. En plus. Donc, voilà, vous allez dans cette école donc, où on vous inculque des valeurs fondées sur l'Antéchrist et sur l'Apocalypse. Alors, évidemment, ça, tout ça, ça travaille hein, dans votre tête. Vous essayez de vous adapter à l'école, hein, vous essayez de vous adapter. Et un jour, vous leur apportez une photo. C'est des nuages dans le ciel qui représentent un ange. Et lui, il pense hein, vous pensez leur faire plaisir. My grandmother gave it to me. C'était ma grand-mère qui m'avait donné cette image. Ils m'ont dit que c'était un faux. Ouais. Et donc, c'était la seule fois où j'essayais de m'intégrer vraiment dans ce milieu. Quand on m'a dit que tout ça c'était du bidon, bah, j'ai arrêté. J'ai arrêté de croire ou d'essayer de croire à ce qu'on me racontait. Et alors, au lieu de vivre dans la peur, d'avoir des cauchemars, bah, j'ai décidé de devenir ce dont j'avais peur, justement. Mais voilà. Alors là, c'est la révolte. Dès l'âge de 12 ans, vous vous révoltez et vous êtes attiré par tout ce qui est interdit. Vous êtes à l'époque, vous êtes maigre, vous êtes couvert de boutons, vous êtes toujours tout seul. Enfin, vous avez une adolescence. Ça, c'est assez terrible, non? Disons que moi, je me sentais invisible, transparent. C'était pas que j'étais rejeté, j'étais vraiment invisible. On ne me voyait pas. Et ça n'est qu'à travers la musique ou l'écriture. Quand j'étais gamin, je me suis dit que je serais artiste ou écrivain. Je pensais pas que j'allais chanter parce que je ne savais pas chanter, mais bon. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ma propre voix. Hein. J'ai créé mon monde. Et alors là, en compagnie d'un certain John Crowell et de son grand frère, au lycée, vous commencez à vous intéresser aux sciences occultes. C'est bon, aux occultes, c'est bon. Occultes. Il a fait une bonne liaison. Aux sciences occultes. Ouais, ouais. Je crois qu'on va foutre de la thune dans le noir, là. Hein. Ouais. Mais c'est bien parce que comme ça cautionne et tout. Ouais, comme ça, c'est le service public, c'est une très bonne idée, Laurent. C'est le service public. C'est le service public. Ouais, c'est voilà. bien. Donc vous intéressez avec ce dénommé John Crowell aux sciences occultes, aux doctrines sataniques. Hein. C'est l'époque où vous visitez Disneyland sous acide. This
C'est à propos de cette émission, me rappelle un peu cet épisode un peu surréaliste. Et là, vous faites de la scène, donc c'est le scandale, évidemment. Vous masturbez sur scène un faux pénis qui éjacule un liquide improbable. Vous jetez des... Qui n'a pas eu recours à un accessoire, Thierry. Non. Vous jetez des poulets vivants au public, mais c'est vrai que c'est le public qui les égorge. Au sujet de votre cinquième album, sur le précédent, vous avez déclaré « C'est l'histoire d'un innocent qui veut faire partie d'un monde qui ne l'accepte pas, il se bat, il découvre sa révolution et finit par devenir un objet marketing. » Aujourd'hui, vous êtes devenu un objet marketing ? On a essayé de reprendre ce que je fais, de l'exploiter et d'en faire, disons, une marchandise. Et puis, il y a l'affaire donc de Columbine, donc cette université du Michigan, où deux fans ouvrent le feu sur leurs camarades et les médias américains vous accusent. Alors, vous répondez, on ne peut pas accuser Shakespeare de pousser les gens au suicide parce qu'il a écrit Roméo et Juliette. Enfin, c'est vrai quand même que les gens qui ont tiré sur leurs camarades étaient des fans de Marilyn Manson. En fait, il fallait un coupable. Donc on m'a brandi un peu comme étant cette effigie du coupable et j'ai décidé de ne pas répondre à tout cela parce que je ne voulais pas justement me mêler, alimenter cette flamme. Les gamins voulaient justement acquérir une espèce de célébrité malsaine. L'Amérique leur a donné justement ce qu'ils recherchaient et je ne voulais pas y contribuer. Donc on a associé le nom Marilyn Manson à cette horreur et en fait Marilyn Manson est devenu le produit de Columbine. C'était ironique, mais en fait c'est quand même assez injuste d'être attaqué par mon propre pays. Et l'interprète est excellent. Ah, l'interprète, oui, bien sûr. Il a dit « actuellement ». Il n'a pas traduit vêtements par « actuellement ». Mais en fait, voilà la finesse. Vous dites que cette histoire, finalement, permettait d'oublier Monica Lewinsky, parce qu'à l'époque, c'était le grand scandale de Monica Lewinsky. On oubliait aussi, grâce à ça, les bombes balancées sur le Kosovo. Et vous dites « c'est moi qu'on accuse de provoquer un comportement violent », alors que finalement, à la même époque, les États-Unis bombardaient la Yougoslavie. Absolutely. Exactement. D'ailleurs, on peut en dire autant de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire qu'on va continuer à censurer mes mots ou mes images ou ma musique. Mais en fait, il y a une véritable duplicité du gouvernement et moi, mon rôle, c'est justement de mettre cette démarche au défi. Il faut que moi, si l'Amérique représente la démocratie, moi, je dois représenter la liberté d'expression. S'il n'y avait pas quelqu'un comme moi, il n'y aurait personne justement pour remettre en cause les fausses idées. C'est à moi qui revient le rôle justement de remettre en cause certaines politiques, certaines valeurs. Ce qui ne veut pas dire que je déteste l'Amérique, mais je l'accepte pour ce qu'elle est. Et mon rôle, c'est d'en faire un pays plus intéressant, plus divertissant, en étant beau gosse. D'accord. Alors, dans le film, quand Michael Moore vous pose la question, il vous dit, qu'est-ce que vous diriez aux lycéens de Columbine? Et vous répondez, je les écouterai, ce que personne ne fait. Yes. It's something that I've been saying en effet, et c'est quelque chose que je dis depuis le départ, même avant l'incident de Columbine. D'ailleurs, ce n'était pas la première fois qu'une telle tragédie se produit. Ce n'est pas moi qui ai inventé la violence, et ce n'est pas non plus les gamins de Columbine qui ont inventé la violence. L'humanité a cette tendance, une tradition de s'auto-détruire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours évoqué dans ma musique. Alors, c'est quand même assez curieux qu'on me montre du doigt, parce que tout ce que je dis, tout ce que je chante, c'est un commentaire sur cette triste réalité. Et il est vachement
sont sages, hein. Hein, moi, je trouve. C'est con qu'elle ait perdu une lentille, ça se voit un peu. Et maintenant, voici Mike Horn. Bonsoir. 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 Ah, voilà un personnage, Mike Horn. Embrasse les femmes, c'est mieux. Pour les Français maintenant. Ouais, comme une vache espagnole. Mais... comme une vache espagnole, oui. Alors voilà, donc Mike Horn est ce qu'on appelle un aventurier de l'extrême. C'est un type extraordinaire, la preuve. Il a déjà descendu l'Amazone à la nage. Il a fait le tour du monde en suivant la ligne de l'équateur. Ah ouais. Et là... Ah ouais, c'est un mec génial. Marche en arrière, en fait. Génial. Et là, vous venez de faire 20 000 km autour du cercle polaire arctique. C'est la fameuse expédition Arctos. Hein. Ouais. Alors, vous racontez ça dans un bouquin qui est publié chez XO, qui s'appelle « Conquérant de l'impossible ». Alors... au départ, vous êtes d'origine hollandaise. Hein. C'est des Hollandais qui sont partis habiter en Afrique du Sud. Oui, français et hollandais. Et hollandais. Comme Dave, ouais. Ouais. Pardon ? Comme Dave. Comme Dave. Ouais, exactement, ouais. Ouais. Comme Dave. Mais ils ne zonent pas dans les mêmes coins, oui. Mais bon, c'est un peu comme Dave. On n'est pas trop loin. Alors, votre père était directeur de lycée. C'était un ex-Springboks. Il est mort quand vous aviez 15 ans. Et votre mère était enseignante. Alors, enfant, vous étiez déjà très sportif, Mike Horn. Et son avenir d'aventurier se dessine assez tôt. À 8 ans, vous rejoignez en vélo la ferme de votre oncle, qui est située à 300 km de là. Ouais, 300 km, c'est pas loin, si t'as 8 ans. Il est insensible. Il a commencé la drogue tôt, alors. On est né avec ça en Afrique du Sud. Alors, quand vous étiez adolescent, vous êtes rentré dans l'armée, vous avez été capitaine des forces spéciales sud-africaines, vous avez fait la guerre en Namibie, donc ça vous a effectivement formé à la violence. Hein, voilà. Et puis ensuite, vous rentrez dans la vie professionnelle, et là, Mike Horn est employé par son oncle. Il fait de l'import-export de fruits et légumes au départ. D'ailleurs, vous réalisez une transaction exceptionnelle sur des choux, qui vous a rapporté énormément d'argent. Moi, j'ai trop bien gagné ma vie, ouais. Comme beaucoup. Mais voilà, ça ne lui plaisait pas, parce que bon, il avait plein de blé, mais il n'avait pas de but dans la vie. Et là, vous établissez... Il avait plein de blé, mais il n'avait pas de pute dans la vie, oui, c'est ce qu'on a compris. Non, mais attendez, les filles, vous êtes chaudes là-bas, c'est quoi, là ? Attendez, elles sont chaudes. Pas pute, moi. Ah, elles sont chaudes. Ah, j'ai dit à les esgons ce soir. Oh là là. On va s'ennuyer après l'émission. Donc là, vous établissez une liste des endroits de la jungle et des étendues glacées où vous aimeriez aller. Et puis, vous réunissez tous vos amis un jour. Ouais, quoi, j'ai eu tout ce que je voulais. Et puis, ouais. Ouais, j'ai dit, mais c'était pas ça que je voulais. Et puis, je disais, mais ce soir, je fais un grand fête chez moi. Et puis je viens d'acheter à Johannesburg une grande maison, il y avait une piscine et tout. Je disais à mes potes, écoute, viens. Et puis ce soir, je donne tout ce que j'ai à toutes mes potes. Et puis on a bu un peu d'hiver et tout ça. Ma sœur est avocate, elle a préparé tous les contrats. Ouais. J'ai donné tout à mes amis. Et puis je me retrouvais avec un sac à l'aéroport. Il a tout donné. Alors, à ce moment-là... Dommage qu'on ne soit pas connu. Alors. Ouais, ouais, à ce moment-là, il va... Non, mais c'est extraordinaire. À ce moment-là, il va à l'aéroport. Et les seuls pays, en fait, où on pouvait aller quand on était africain du Sud sans visa, c'était Israël, la Suisse et l'Angleterre. Donc, exactement. Il va à l'aéroport. À ce moment-là, il y a un avion qui part pour la Suisse. C'est comme ça que vous vous retrouvez à Zurich. Exactement. Exactement. Ouais. Sans rien connaître de la langue, sans rien connaître du pays. Alors au début, c'était difficile quand même. Hein. Vous avez des... Oui, j'ai commencé il y a 360 km entre Zurich et Montreux. Oui. Et puis parce que je n'ai pas eu du travail, et puis je n'ai pas eu de l'argent, j'ai décidé de faire ça à pied et puis de passer un peu vers les paysans pour demander s'il y avait du travail. Ouais. Puis c'était toujours un peu la même réponse. Kein Ausländer, hier arbeite kein Ausländer. Qui est normal un peu. Ouais. Il disait que
quoi, on n'engage pas des étrangers. Ouais. Et puis là, je disais, d'accord, écoute, ouais, quoi, je continue. Ouais. J'arrivais à Montreux. Ouais. J'ai commencé de voler juste pour rester vivant. Non, vous avez volé des fruits, hein. Ah ouais, ouais, non, il faut que... Vous avez dormi dans des étables, vous avez dormi sous des ponts. Enfin, c'est incroyable parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'en Afrique du Sud, vous faisiez partie de la classe des possédants, de la classe des riches, des blancs à l'époque. Hein. C'était ouais, bon, écoute, c'est encore l'apartheid. Pas malheureux, non. Et puis un jour, vous arrivez en Suisse et vous vous retrouvez dans la position du noir, quoi, dans la position du type qui a pas de blé. C'est un Africain, c'est parce qu'ils ont bien regardé en Suisse. Ouais, ouais, mais écoute, c'est sûr. C'est sûr que... Si tu te trouves dans une situation un peu que tu n'as pas vraiment l'habitude, tu dis, soit tu rentres à la maison, mais ouais. Parce que j'ai eu rien à la maison, je dis, il faut que j'assume ouais. mes responsabilités. Bah ouais. Vous aviez, comme on dit, brûlé vos vaisseaux, c'est-à-dire ouais. que vous n'aviez plus de maison dans laquelle retourner, donc vous étiez obligé de continuer. Vous faites des petits boulots, vous installez en Suisse, ouais. vous rencontrez Cathy, qui deviendra votre femme, vous commencez à trouver des sponsors, enfin c'est un courage absolument extraordinaire. Et là, vous vivez votre première grande aventure en 1997, traversée de l'Amérique du Sud, alors il part du Pérou. Il fait déjà 600 bornes à travers la cordillère des Andes, mais comme ça, tu vois. Genre, et comment il fait pour y aller au Pérou en avion? Ouais. J'ai une copine qui était pilote, oui. et puis... Voilà. Donc il va au Pérou, il fait 600 bornes dans la cordillère des Andes, jusqu'aux sources de l'Amazone, et là, vous descendez l'Amazone. Ouais, l'idée, c'était... 6400 kilomètres ouais, à la nage. À la nage, ah oui. L'idée, c'était d'en fait traverser l'Amérique du Sud, ouais. En solitaire, sans ouais. assistance... Ouais. Et puis, avec des bouées quand même, non? Il avait un truc qui s'appelle l'hydrospeed. C'est une petite planche, tu sais, un bodyboard, comme on dit. Ah oui, avec des hélices comme ça pour faire... Mais il n'y a pas des... C'est des jambes. C'est des jambes. Des jambes, c'est des hélices, ouais. Ah ouais, facile. Il n'y a pas des animaux, demandez-les. Il y a des piranhas. Il y a un animal qui est pas mal intéressant parce que... Tu ne peux pas vraiment faire pipi dans l'eau parce qu'il y a un... C'est un poisson de chat, parasite. Dès que tu fais pipi, en fait, la urine, ça l'attire. Il rentre. Et ça rentre. Eh oui. Dans où il y a un trou, tu ouais. sais. Et puis, en fait, tu peux pisser dans l'eau, mais il faut regarder ton pantalon. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. C'est comme tu peux chier sur la place rouge, ouais, mais tu ne peux pas enlever voilà. ton pantalon. Ouais. Donc, il fait quand même 6400 kilomètres à la nage, donc, avec son hydrospeed, pour descendre l'Amazone jusqu'à l'embouchure de l'Amazone dans l'océan Atlantique. C'est première aventure du six mec. Six mois, ça a pris six mois. Six mois. Deuxième grande aventure, qui a encore un exploit absolument unique, le tour du monde en solitaire par l'Équateur, sans véhicule à moteur. Là, l'idée, c'était de rester sur l'Équateur et pas de m'éloigner plus que ouais. 30 000 au nord voilà. et 30 000 au sud. Et puis de partir de Gabon. Et quand vous quittez le Gabon, c'est la première fois que vous vous retrouvez seul sur un voilier. Oui, j'ai jamais fait la voile, en fait. J'ai winché, en fait, sur le bateau de Laurent Bourgnon. Oui, il s'est entraîné avec Laurent Bourgnon. C'est-à-dire, il part du Gabon pour traverser l'Atlantique. C'est la première fois qu'il est seul sur un voilier. Ouais. Alors ensuite, bon, il y a l'Amérique du Sud, vous traversez l'Amérique du Sud, l'Indonésie, avec les révoltes, avec les combats, tout ça, enfin, c'est extraordinaire. Et puis, bon, voilà, vous êtes élu aventurier du XXe siècle, quand même. Oui, il n'y avait personne d'autre, je crois, c'est pour ça. C'est ça. Il y a un autre fou, oui. Il est génial, il est modeste. Il est super bien. Alors bon, on a vu donc la descente de l'Amazone à la nage, le tour du monde par l'Équateur, et là, en février 2002, c'est Arctos, donc c'est la dernière expédition, celle que vous racontez dans votre bouquin, Conquérant de l'impossible. Donc 20 000 km autour du cercle polaire arctique, à contre-courant et à contre-vent. Alors... On lui dit, mais pourquoi, quand on fait 20 000 km autour du cercle polaire arctique, pourquoi vous le faites à contre-courant, à Est-ce contre-vent? C'est sûr qu'il s'entend si bien que ça avec sa femme. Et alors, quand on lui dit, pourquoi vous le faites à contre-courant, à contre-vent, il dit, bah, parce qu'en cas de réussite dans l'autre sens, j'aurais passé toute ma vie à me demander comment j'aurais réussi dans le mauvais sens. Quoi. C'est quand même... Moi, je préférais d'échouer un peu contre. Ouais. Contre des aliments que d'aller avec les aliments. Ouais. Ouais. Ça en maillot de bain. Presque. Ah, il dit des trucs, ouais. il dit... c'est tellement dur ce qu'il fait qu'il trouve le courage de surmonter toutes les épreuves. Et vous dites, je les ai surmontées parce que j'ignorais quelle souffrance elles représentaient. Si j'avais su quelle souffrance j'allais vivre, je l'aurais pas fait. Ouais. Vous utilisez des accessoires aussi à la maison Ah, ça continue, ça continue. C'est hallucinant, comment faire du mal et tout. C'est bizarre, quoi. Non, mais écoute, pas du comment tout. Comment chier pas du...
Moi, je crois que je n'ai pas du tout mal. Il y a des moments qui sont plus durs que les autres. Mais aujourd'hui, c'est mon métier. Et puis, je fais ça professionnellement pendant 10 ans. Et puis, moi, je vois ça comme tout à fait normal, en fait. Quand vous faites les courses, vous prenez un caddie ou vous mettez tout comme ça sur le dos? Pas du tout, non. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'avant de faire le tour du cercle arctique, à l'envers, il y a eu un voyage préparatoire. Le voyage préparatoire, il dit, bon, pour me préparer, c'est pour se mettre en forme, je vais aller au pôle Nord en solitaire, 800 bornes. Et c'est juste pour s'entraîner. Pour s'entraîner. Et là, grosse erreur. Je n'ai pas eu vraiment le choix. C'était un moment que je marchais plus. Ça veut dire que mon corps génère plus de chaleur. Ouais. Et puis, je commence à tomber dans l'hypothermie. Ouais. Et puis là, c'est la vie au Lima. Ouais. J'ai enlevé mes moufles pour attacher mes chaussures. Voilà. Et puis, c'est sûr, c'est la dernière fois que je m'enlevais mes moufles. Oui. Les doigts explosent. Et alors, ce qu'il fait, il rentre dans sa tente et il met ses doigts dans le feu. Parce qu'ils sont tellement gelés qu'il les met dans le feu. Et à ce moment-là, oui, il a été un peu amputé, oui. Et à ce moment-là, ça sent la viande brûlée. Lui, il sent rien, mais ça sent la viande brûlée. Alors, effectivement, là, vous décidez de rentrer. Donc, cette expédition préparatoire n'a pas été menée à son terme. Vous décidez de rentrer pour sauver vos mains, en fait, c'est ça? Exactement. Il y a un moment que tu dises, mais là, maintenant, je dois rentrer, je dois réparer mes mains. Ouais. Autrement, si je continue, j'étais à 15 jours du pôle. Si je continue, je vais perdre mes mains et puis je ne peux plus rien faire de ma vie. Oui. Tout ça parce que tu avais des lacets, il fallait mettre des velcro là. J'ai eu des velcro, mais les velcro ne marchent pas à moins 50. Ça pète en fait. Ça pète à moins 50, pas sûr. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que donc, il rentre. Pète, ouais. Vous rentrez, on vous ampute un peu le bout des doigts, mais vous attendez même pas le délai normal. Vous partez pour cette fameuse expédition, donc Arctos, et là, il y a des épreuves absolument inouïes. Je veux dire, c'est, par exemple, à un moment, il va en bateau au départ de Norvège au Groenland, il y a un trou dans la coque, et là, alors là, c'est incroyable, c'est-à-dire que d'une main, il conduit le bateau, de l'autre, il vide le bateau, et il y a les icebergs qui arrivent sur lui. Et le mec, il est au milieu. Et là, il y a Céline Dion qui se met à chanter. Et il se dit non. C'est incroyable. Et il se dit, je peux pas dormir. Parce que s'il dort, il peut plus piloter le bateau, il peut plus vider le bateau. Donc voilà, et puis au milieu des icebergs, comme ça. Il y a 10 fois un peu, on n'a pas vraiment les choix, 10 fois. Et puis, si on va arriver en Groenland, il faut... Mais c'est vraiment un fou, lui, c'est vraiment le plus grand fou, j'ai vu. Terrible. Vous jouez à Chabit ou quoi, là? Alors après, il traverse le Groenland, donc il arrive au Groenland. Il traverse le Groenland avec une espèce de cerf-volant, quoi. Ouais. Et ça va très vite parce que vous arrivez à faire des... Un jour, par exemple, il fait 18 heures dans la journée, 143 km, donc ça va assez vite. Ouais. Vous battez le record de traversée du Groenland grâce à ce système de cerf-volant. Et puis un jour, il y a un vent énorme. Looping. Et, voilà, oui. Vous êtes arraché. Vous êtes arraché par une tempête de vent. Exactement. Là, c'était juste un moment que tu ne peux plus gérer. La surface est trop grande. Tu as 22 mètres carrés. Ils vont souffrir à 70 km à l'heure et tu ne peux plus descendre ta voile. C'est sûr qu'il y a un moment que tu vas passer dans une crevasse, tu vas passer d'un peu de... C'est les flux du volant avec le professeur Maboulette. Et puis là, c'est sûr, tu tombes. Et il s'en sort à chaque fois, c'est extraordinaire. À un moment, il arrive dans une région, il doit prendre un bateau pour aller à Calamity Bay, je crois. Il doit prendre un bateau. Et puis bon, il y a la glace qui fait qu'on ne peut pas naviguer. Il fait un détour de 1200 km. le mec, c'est pas un détour de 300 mètres, un détour de 1200 km. Et tout ça à moins 60 dans la nuit permanente. Parce qu'en plus de ça, il faut voir ce que c'est. Il fait même pas jour. Il neige, il fait froid, moins 60. Il fait nuit. Enfin, tu vois, voilà, malheureusement, on a 3 mois de nuit où on n'a pas beaucoup de soleil au nord. Et puis dès que du soleil sort... Ça vient 24 heures sur 24, et puis là, tu peux bien avancer. Alors, c'est extraordinaire parce que ce sont des régions où la vie humaine est impossible. C'est-à-dire que les seuls qui vivent là-bas, ce sont les Inuits, mais eux, ils ne bougent pas. Ils restent, tu vois, ils vivent sur leur graisse, comme les ours, quoi. Ils vivent tout l'hiver sur leur graisse. Ils sont pas cons. En attendant qu'il fasse beau, tu vois. Et lui, non. Lui, il avance là-dedans, dans ce pays. Donc, il n'y a même pas un Inuit qui fait ce que vous avez fait, quoi. Mais c'est parce que les Inuits sont pas cons, déjà. Ouais. Et puis, en plus, les Inuits chassent au début de l'hiver. Voilà. Et puis, l'hiver, ils restent parce qu'ils voient rien. Ouais. Et puis, moi, si je restais, je crèvais. Ça veut dire que
j'ai été obligé de marcher, en fait, de rester vivant. Et alors, Mike, votre, la tente dans laquelle vous habitez, elle est en quoi Il est dans un nylon traité, en fait, que ça ne brûle pas. Et puis en même temps, le problème, c'est que tu as quelque chose à moins 50 que tu ne peux pas vraiment plier. Parce que le nylon à moins 50, à moins 60, si tu le plies deux, trois fois, ça casse comme l'hiver. Tout vient vraiment cassant. Et puis comment là, on fait alors? Et puis là, tu dois faire vachement gaffe quand tu mets la tente. Quand il fait vraiment trop froid, ta mère tente pas de mettre la tente. Et puis tu dois marcher, en fait, ouais, juste pour rester vivant. Vous avez quand même envie de faire pipi de temps en temps. Écoute, si tu la sors, écorce. C'est pas évident, ouais, parce que tu le trouves pas déjà. C'est ça. Ouais. Il fait si froid que ça. Tu parles de toi. Hein. C'est 5 litres de l'eau, avant de dormir. Je bois 5 litres. Ouais. En fait, ça me permet de réveiller chaque une heure et demie. Comme ça, je ne gèle pas en dormant et puis je sais que je vais réveiller. Pas trop autrement, quand tu t'endors à moins 50 ou moins 60, si tu dors trop profondément, en fait, tu vas jamais te réveiller. Tu vas gêler. Ça veut dire que la seule façon de vraiment se réveiller, c'est d'avoir envie de pisser. Et puis là, je pisse dans une bouteille. Ouais. Et puis, parce que la pisse est à 37 degrés, bah oui. Je prends les bouteilles et puis je chauffe mes pieds. Parce que mes pieds, à l'extrémité des sacs de couchage... J'ai vu des menteurs. Bruno, je vais dire un truc. Quand tu lis le bouquin, moi, je me suis dit, c'est marrant ce que tu dis, parce que je me suis dit, mais attends, tout est bidon à un moment. C'est tellement énorme ce qu'il a vécu que tu te dis, c'est pas croyable. Ça n'a jamais été fait pendant l'hiver. Ah oui, c'est extraordinaire. Et alors, En fait, tout ça se passe à l'intérieur de la tente. En disant, l'hiver, si tu vas dehors... Tu peux baisser ta pantalon et puis tu peux sortir peut-être 10% et puis tu dois... Ouais. Mais c'est impossible d'exposer ta peau, ouais, à des températures à moins 50 et moins 60. Ça veut dire que tout passe à l'intérieur de la tente. Il y avait une trappe à l'intérieur de la tente que je pouvais faire un petit trou, une chiotte à l'intérieur de la tente. Ouais. Sans... Mais ça gèle tout de suite, quoi. Ah oui, c'est solide. Comme ça, tu nourris un peu les animaux aussi. Alors, c'est incroyable. Le pire de tout, c'est quand il y a l'incendie. Parce qu'à un moment, votre bouteille de benzine tombe sur le réchaud. Et alors là, en plein milieu de cette immensité glacée et ultra froide, il y a un incendie et tout brûle, quoi. C'est-à-dire, la tente brûle, tout brûle. Oui, moi, j'ai rempli mes bouteilles à moins 45. Et puis, un jour, il y avait la température, ça a chauffé à moins 20. Ouais. Et puis, à moins 20, il y a... Jusqu'à moins 45, il y a 25 degrés de différence. Ouais. Et puis là, tu vois un peu du fuel qui expanse. Et puis là, parce qu'il faisait chaud, le fuel prenait le volume. Et puis avec mon réchaud dans l'intérieur de la tente, quand j'ai ouvert en fait mon bouteille, ça giclait partout, ça giclait un peu sur moi, giclait sur mon sac de couchage. T'imagines en plein feu, là, en plein milieu de l'Arctique, c'est extraordinaire. Alors après, bon, je ne vais pas tout raconter, mais c'est vraiment génial. Il y a l'Alaska, le détroit de Bering, la Sibérie, il fait tout le tour, le mec. Hein. Et alors parfois, vous tombez parce que votre corps refuse de vous obéir. Et là, vous avez la tentation de ne plus vous relever, la tentation de vous laisser mourir. Et vous entendez la voix de vos filles. Le problème, c'est que quand on commence de geler, on sait... vraiment pas qu'est-ce qui se passe avec nous. Et puis là, c'était après 12 heures de marche, je voyais un nuage noir qui arrive sur l'horizon. Et puis je disais, est-ce que j'essaie de marcher en travers de ces tempêtes ou est-ce que j'essaie de mettre la tente maintenant? Et puis j'ai fait une erreur, je disais, mais je veux marcher en travers. Ouais. Parce que je peux gagner peut-être 5 à 10 kilomètres. Mm. Et puis là, c'est sûr que la tempête n'a pas arrêté pour 3 jours. Ouais. Et puis, il y avait un moment que physiquement, tu es tellement fatigué, la luge derrière toi pèse là, 150 à 60, 160 kilos. Et puis, il y a un moment que tu ne peux plus tirer. Ouais. Et puis là, quand l'ivent remonte à 100, 150 kilomètres à l'heure, l'ivent a venu du nord, moi, je marche vers l'ouest, ça roule en fait ton traîneau sur la glace et puis tu embarques avec. Et puis là, tu dis, mais je peux me lever juste pour encore ramasser l'ivent. Je préfère de mourir, parce que comme ça, je n'ai plus besoin de tirer la luge, je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit, je peux crever ici. Il est vraiment allé au bout, le mec, lui. Hein? Et puis... On a une vie pépère, finalement.
Bravo. Merci beaucoup. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Heureux de vous avoir. C'est gentil. Pardon. Non, c'est ce qu'on nous a donné comme place. Hein. Si tu n'auras pas sur des marques. Hein. Ah ouais, t'avais. C'est un côté metteur en scène. Tu ne lui fais pas, lui. T'as non. J'ai fait trop de créneaux dans ma vie. Dis-moi, Jean-Pierre, t'as pas été très surpris en fait par la discipline de la première compagnie parce que tu as été élevé dans une pension anglaise en Argentine, oui. Où tu as pris des coups, hein. J'ai pas pris des coups. Il y avait dans le règlement, il y avait ce qu'on appelle les punitions corporelles. Bah oui. C'était normal. Si on a tous vu If créer une palme d'or à Cannes, ça fait partie intégrante, sauf que le règlement est très précis et quand on fait une connerie, on sait ce qu'on risque. Ouais. Ce qui n'est pas toujours le cas ailleurs. Ouais. Chaque connerie est réglementée, ouais. Donc tu sais que quand tu rentres dans le dortoir des filles, par exemple, c'est 20 coups de canne. En tous les cas, c'est dommage que tu aies quitté la première compagnie parce que tu étais devenue la mascotte des téléspectateurs. Tes ronflements, tes douches tout nues. Les gens oui, s'étaient habitués. L'idole des radiologues. L'idole des radiologues. Ça ne nous appartient pas. Moi, je ne sais pas ce qu'ils montrent, je ne sais pas ce qu'ils filment. Et pourquoi tu es devenu la bête noire des autres? Parce qu'ils avaient peur peut-être que j'aille en finale alors que je n'avais pas fait d'effort physique. Ouais. Ils te détestaient. Tu as vu en revenant, tu as vu les images, tu as vu comment ils te cassaient du sucre. Ils t'appelaient la chose. Ouais. J'arrive pas à leur en vouloir. Ouais. Parce même à l'autre con. On est dans un cercle fermé et ils pensaient tous à gagner, donc ouais. Qui gagne. Ouais. Et Talia, alors qu'il ne savait même pas qui tu étais, qu'il ne savait même pas que tu avais joué dans un James Bond. Je ne savais pas non plus très bien, à part l'avoir vu dans votre émission, très belle. Ouais. Je ne savais pas très bien ce qu'elle avait fait dans la vie non plus. Je ne savais pas que tu avais fait un James Bond, que tu avais joué dans French Connection. Mais vous avez remarqué, si vous avez regardé l'émission, si vous avez regardé vos fiches, je n'ai jamais parlé de métier pendant 6 semaines. Ouais. Jamais. J'ai jamais raconté ma vie d'acteur là-bas. T'aurais pu. Oui. Bah oui et les jours, c'était 12 salopards. Pourquoi tu as fait la première compagnie? Pourquoi je ne l'aurais pas faite? C'est un clin d'œil à ton fils qui a réussi grâce à Love Story? Je pense que Benjamin, il n'a pas réussi que grâce au Love Story. Il est devenu connu grâce à Love Story. Mais disons que ce qu'il fait aujourd'hui ou ce qu'il a fait après prouve qu'il avait quand même un potentiel suffisant pour réussir. Ouais. T'en es où avec Benjamin aujourd'hui? C'est mon fils. Toujours, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. On va faire une interview, Benjamin. Hein? C'est pas la tronche, là. Dis, papa. Oui. Papa. Oui. Pourquoi t'as jamais eu de premier rôle? Mais j'en ai eu, ils n'ont jamais marché. Ah ouais. T'en as fait des navets, hein, papa, au cinéma? Hein. Beaucoup, comme beaucoup d'autres. Ouais. C'est comment de jouer dans un James Bond? Le rôle que j'ai eu, c'est très frustrant. Ouais. Surtout que lui, il m'a même pas reconnu. Ouais. Il m'a pas vu dans le film. J'ai des moustaches, une lunette noire, un chapeau. Tu faisais pas James Bond? Ah non, surtout pas. Dis, papa, t'aurais aimé être un héros une fois? J'espère que je suis le sien. C'est dur d'être acteur, papa? Ah oui. Enfin, d'être acteur, pas star. Ouais. Pas premier rôle. Être juste comédien, vous savez qu'il y a une enquête qui a été faite sur les 10 métiers où on gagne le moins d'argent en France, c'est-à-dire moins de 750 euros par mois, il y a les intermittents du spectacle. Ouais. Dis papa. Ça jette un froid, je sais. Ça vient foutre une ambiance en l'air, bravo. Voilà, bravo. C'est vrai. Et c'est vrai. Dis papa, t'as pas eu honte de faire la première compagnie? Pas du tout, c'est... Alors là, encore moins que le reste. J'assume tout ce que j'ai fait depuis 35 ans. T'as gagné du blé avec ça, papa? Comme tout le monde. Dis-moi, tu t'es vraiment blessé ou t'as fait ça juste pour m'en foutre la paix? Commencer avec cette connerie. Non, mais dis la vérité, arrête. Alors, j'ai deux côtes flottantes cassées. Oui, ah, ouais. Franchement. La 9 et la 10, est-ce que tu crois que vraiment à Kourou, l'hôpital de Kourou, on fait des fausses radios? Arrêtons avec cette connerie, là. Oui. Là, c'est agaçant, là. Dis, papa. Oui. Tu crois que j'ai eu raison d'écrire mon livre l'an dernier? Non, pas vraiment. T'en penses quoi de ma carrière, papa? De mon fils? Très fier. Il agace beaucoup de gens et ça me fait rire. T'es fier de moi? Oui. Il est fier de moi. C'est normal. C'est ton papa, même c'est normal. Jean-Michel Castaldi est fier de moi. Je suis pas sûr que t'as la tronche de mon fils. Là. Non, non, j'aimerais bien. Alors, j'ai pas connu ta mère, mais je connaissais la sienne Tu veux qu'on en reparle? Non, mais oh, bah, tu sais, dans le temps, avec le temps qui passe, on sait jamais. Hein. Dis, papa, t'as eu honte quand j'ai fait Love Story? Ah, surtout pas. Ouais.
surtout. Alors là, je dis, alors je l'affirme haut et fort, surtout pas. Tu voulais que je fasse quoi quand j'étais petit, papa ? Je crois que le métier d'un papa, c'est de laisser faire son fils ce qu'il a envie de faire, et il a fait ce qu'il a eu envie de faire. Connerie, ça. Dis, papa. Papa. Oui. Tu la trouves comment, Flavie ? Très belle. Ouais ? Elle te plaît ? Comme un beau père, oui. Il y a des trucs que tu m'as jamais dit, papa ? À lui ? Non. À vous, peut-être. Tu m'aimes ? Vous ou lui ? Lui. Lui, oui. Ouais. Dis, papa, t'as peur de mourir ? Évidemment. Surtout avec deux côtes cassées, c'est chiant. Enfin, j'espère que je ne mourrai pas avec deux côtes cassées. On ne sait pas, regarde Geneviève, elle a prévu ça pour samedi. Dis, papa. Oui. T'as des regrets sur ta carrière ? C'est déjà énorme de dire depuis 30 ans, je vis de mon métier, c'est déjà énorme. Ouais. Sans être, comme vous dites, une star ou une vedette. T'as pensé quoi de ta vie, papa ? Ah, ma vie, formidable. Ma vie, il le sait, formidable. Elle était comment, mamie ? Chiante, tu peux pas savoir. Pas mal comme réponse. Mais elle avait le pendant de ses défauts, elle avait beaucoup de qualités, oui. Ouais. Dis, papa, t'as jamais eu envie de lui casser la gueule à Yves Montand ? À Montand, non, jamais, non. Même maintenant ? Non, jamais. Malgré ce qu'il a fait à maman, t'as pas eu envie de lui casser la gueule ? Mais non, parce que ce qu'il a fait à maman... S'il l'a fait, ça regarde maman et mon ex-femme, et au moment où il l'a fait, j'étais pas là. Ouais. Dis, papa. Oui. T'as pas un peu grossi récemment ? Non, ça fait 10 ans que je grossis. Je maigris selon les rôles, selon... Quand tu maigris, que tu grossis pour tel ou tel rôle, on voit pas tellement la différence. C'est dans quel... Non mais, juste pour info, c'est dans quel film où t'étais maigre ? Rappelle-toi ? Ah! Jean-Pierre! Parce qu'après toutes ces questions, il faut encore que je tire le coup du hasard. Tu vas voir. Chabite. Ah, Chabite! Ouais, assieds-toi le chat! Assieds-toi le chat! La dernière fois, c'est. Vous de jouer. Hey, Jean-Pierre, la dernière fois, c'est Hervé Bourges qui est reparti en étant le chat. Mais je crois qu'il a touché un ami depuis. Je crois qu'Hervé Bourges n'est plus. C'est plus le chat, Hervé. Et alors, c'est un jeu ? C'est un jeu. Et alors, il faut que je fasse quoi ? Bah, tu touches la bite d'un mec, ça devient le chat. Voilà. Mais il faut le faire discrètement. En disant chabite. Mais t'as une minute, hein, sinon tu restes chabite toute ta vie. Attention. Ah ! C'est moi le chat. Faut dire chabite. Non, non, c'est pas validé, t'as pas dit chabite. Ah bah, il le dit ici. Faut que tu dis chabite en touchant. Vite, barrons-nous. Tu m'auras pas, Jean-Pierre. C'est moi. Je crois que je me suis pété une côte. Oh non ! Oh non ! En tous les cas... Regarde, ça me lance là, Thierry, j'ai mal. Oh, oh, c'est moi le chat ! C'est le cadran, le chat ! Oh, c'est Chabat le chat. Chabite, c'est normal. Chabite seul avec maman. Moi, j'ai touché deux bites pour trois chats. Bien, mais c'est Alain Chabat. Mais la menace rôde. Ah. Voici Guillaume Cochin. Bonsoir. Alors, Guillaume Cochin, vous êtes architecte, romancier, et vous êtes le mari de Perry Cochin. Pas une mince affaire. Ah ouais.
que nous admirons tous les jours chez Laurent Huquier. Ouais. Comment ça se passe, ça va? Ah, c'est plus dur que d'être écrivain. Ah oui. Vous publiez votre deuxième roman qui s'appelle Bzz. Alors lui, il connaît parce qu'il a fait rrr. Ouais. Voilà. C'est très marrant. C'est vraiment très marrant. Allô? Oui. Y aller. Wesh Willis? C'est Perry. Ah putain, monsieur partout, c'est Théo. Pas possible. Théo. Dehors et je vous vois. Bah viens. Ah bah d'accord, je viens si tu veux, j'ai pas de problème. Bah viens, c'est ta femme. Bon. Bah viens, Perry. Dommage, hein. Ah, bon. Eh ouais. Perry Cochin. Évidemment, j'allais pas le laisser venir au casse-pipe tout seul, mais... C'est un peu dommage que tu aies été là, parce qu'il y avait un truc entre ouais. Mélanie et Guillaume, là. Hein? Ah, je peux repartir, si tu veux. Vous savez ce que je vais vous faire, là, vu que je vous ai tous les deux? Une non. Interview à l'Alerte Rose. J'aurais pas dû dire, alors. Thierry, oui. Est-ce que tu as besoin d'aimer pour faire l'amour ou de faire l'amour pour aimer? Moi, je dirais les deux, ça dépend des jours. Ah! Elle est honnête, tu me diras. Hein? Bah, et toi? Moi, ça dépend de la fille. Quelle bouche! C'est quoi ta première pensée, Perry, quand tu te trouves en face d'un mec séduisant? Je me demande si... Dis la vérité. La vérité, c'est... est-ce que je peux lui plaire? Est-ce que ça peut aller plus loin? Est-ce que... Je sais pas, non, franchement... Chaque fois que tu vois un homme séduisant, c'est ça. Chaque fois que je te vois, en tout cas, c'est ça. Je suis trop gentil. Ouh. Tu sens pas comme des trucs qui te poussent, là? Mais non, rabat, il n'y a pas de problème. C'est quoi le lieu idéal pour une étreinte, pour toi? Parce que les Italiens, c'est la machine à laver, vous saviez ça? Oui, sur essorage. Ouais, sur essorage. Sur essorage. Ouais. C'est quoi? Mais pas à l'intérieur, hein. Ah bon? N'essaye pas, toi, hein. Ah, j'étais tu vas appeler Samuel. J'étais très inquiet, là. Guillaume, le lieu idéal pour une étreinte, pour toi? Juste au pied du lit. Ah oui? Ah oui. Avant de monter. Avant Pourquoi? De monter dans le lit. Parce qu'il baisse les chiens. Il est trop con. T'as d'autres questions? Oui, non, c'est bon. Ah, Guillaume, est-ce que tu préfères une femme qui baisse bien, mais qui est infidèle, ou une femme qui baisse mal, mais qui est fidèle? Oh, une femme qui baisse bien, infidèle. Ah oui? Ah oui. Oui. Est-ce que tu préfères draguer ou te faire draguer? Ça dépend qui j'ai en face de moi. Mais j'aime bien me faire draguer. Tu dragues des fois? Ouais. Lui, je l'ai dragué. Tu préférerais qu'elle te quitte pour une femme ou pour un homme? Pour un homme, je trouve ça plus marrant. Ah ouais? Moi aussi, je préférerais qu'il me quitte pour un homme. Ouais. C'est vrai. Est-ce que tu préfères être caressé par quelqu'un qui te répugne ou battu par quelqu'un qui t'aime? Oh, battu par quelqu'un qui m'aime. Ah, ça doit être chaud chez les cochons. Ah oui, c'est clair. Est-ce que tu préfères que Perry couche avec un autre en pensant à toi ou couche avec toi en pensant à un autre? Qu'elle couche avec moi en pensant à un autre? Ouais, c'est pas mal, ça. Qu'elle couche avec toi? Oui. Ah oui. Même si elle pense à un autre. Ça ne te gêne pas quand elle crie Thierry, Thierry? C'est pas mal. Ouais. Et toi? Tu préfères qu'il couche avec toi en pensant à une autre ou qu'il couche avec une autre en pensant à toi? Qu'il couche avec moi en pensant à moi. Ah, c'est pas possible, c'est trop tard. Trop tard, trop tard. Est-ce que, bon, ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, est-ce que vous avez encore un fantasme inavouable et non réalisé? Inavoué? Non. Non. Vous avez tout fait. On s'est tout dit, surtout. Ouais. Ouais. Mais oui. Il n'y a pas de doute de ça. Est-ce que l'amour est compatible avec le mariage, Perry? Ah, Perry, pardon. Ah oui? Non. Ah si, 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 complètement. La preuve vivante depuis 20 ans. Je l'adore. Ouais. Et j'espère que c'est réciproque. Oui, oui. Oh, mon amour. Et vous êtes pas trompé, les mariés de la deux? Depuis 20 ans, vous n'êtes pas trompé? Jamais. Trompé? Non, trompé, non. Est-ce que sucer, c'est trompé, déjà? Ça dépend ce que tu... Ça dépend ce que tu suces. Perry, est-ce que sucer, c'est trompé? Si tu mens, oui. Pour moi, tromper, c'est mentir. Ouais. Si tu ne mens pas... Hein. Mais c'est vrai, si elle tu ne mens pas... Ouais, mais non, mais... Non, si tu ne mens pas, t'as pas trompé. Donc, voilà, après... Donc, sucer, c'est pas tromper, si on le dit. Donc, tu ça va, chérie, viens bosser aujourd'hui, j'ai sucé deux fois. Au revoir. Tu bon, ça va, tu me l'as dit, je t'en veux pas. Tu penses que quand on avoue, finalement... Non, pas quand on avoue, quand on dit.
Ouais. C'est pas avoué, avoué, ça veut dire fellation que t'as menti. Fellation avouée à demi, tu connais le mais, oui, non, mais avouer, ça veut dire que t'as menti et que tu te le reproches et qu'ensuite tu te dis, tiens, je vais l'avouer, je vais le dire. Là, c'est pas du tout ça. Mm. Mm. Donc simuler, c'est tromper. Ouais. Ah. Ah. Ah oui. Ah, ah oui, je suis d'accord. Simuler, c'est tromper. Ouais, ouais. Je suis d'accord. On apprend des trucs dans cette émission. Mais oui, moi j'ai. Attends, c'est le service public, Alain. Mais oui, non, mais c'est obligé. Bon, enfin, il est 2h du matin aussi. Obligé, ça serait TF1. On s'en... Mais là, on est obligé d'apprendre des choses un petit peu aux gens. Est-ce que vous éteignez ou vous allumez la lumière quand vous baisez chez vous? Non, franchement, non, il n'y a pas de règle. Je sais pas, t'as une règle, toi tu... Non, non, j'ai pas de règle. Il baisse plus depuis 82. Quelle horreur. Non, il n'y a pas de règle. C'est quoi la zone la plus érogène chez toi, Perry? Pas. La chatte. Bah ouais, voilà. Merci. Il l'a dit pour moi. Perry, avec quelle personne ici présente tu aimerais avoir une aventure? Sois honnête. Imagine qu'on soit dans un monde idéal où ça pose pas de problème. Nous, on a connu ça dans les années 70, mais bon, maintenant c'est fini. Avec qui tu voudrais avoir une... On peut faire un truc à plusieurs, non? Ah oui. Bah, je me mets pas en dessous, moi, parce qu'il fait 130 kilos. Là. Alors, on va voir si Guillaume est honnête. Avec qui tu voudrais avoir une aventure, là? Ah, moi, ma voisine. Ah, il est génial, bravo, voilà. Franchement. Ah, voilà. Ah, ouais. Ça, c'est de la merde? Ah. Il touche pas à Miss France. Il te la laisse, voilà. Il touche pas à Miss France. Est-ce que tu préfères une femme belle et conne ou une femme moche et intelligente? Bah, vous l'avez, belle et conne. Est-ce que tu préfères une femme qu'on prend sans la comprendre ou qu'on comprend sans la prendre? Qu'on comprend sans la prendre. Ah ouais? Ouais. J'ai pas compris. T'es capable de ça, toi? Bah, qu'on comprend sans la prendre. Je préfère une femme qu'on comprend et qu'on prend pas. Si tu pouvais posséder que la moitié de Perry, tu prendrais le bas ou le haut? Non, non, le bas, le bas. Pourquoi le bas? Parce qu'il y a... Bravo, la chatte. La chatte. Allez, t'es honnête. Et toi, si tu pouvais prendre que la moitié de Guillaume, tu prendrais le bas ou le haut? Non, moi je prends le haut parce que tout est dans la tête. Ah. Tu dois pas t'amuser tous les jours. Non, non. Mais si, justement, tout est dans la tête parce que même si on doit parler de fantasmes, de sexualité, etc., c'est aussi dans la tête. Donc. Oui, parce que au bout du compte, c'est on se rend le compte bas ne marche que par le haut. Par le haut, oui. Voilà. Merci. Ah, merci, merci. Dernière question. Vous baisez avant le restaurant ou après le restaurant? Au restaurant, t'as l'autre côté. Ça peut être au restaurant. Non. Oui, plus souvent après qu'avant, ouais. Plus souvent après qu'avant. Chaque fois que vous allez au restaurant. On va au restaurant tous les soirs. Ah. Ah. Perry. Ah, attention. Oups. Alors. Carte autoflagellation. Vous devez... Ah, j'adore. Ah oui. Vous fouettez en nous confiant la plus grande faute de votre carrière. Est-ce qu'on a le martinet, Méline? Ah oui. Ah, le fouet. Ah, c'est carrément un fouet. Ah. Mais dis-moi, c'est une soirée sadomaso, votre truc. On va le prendre dans la gueule, Alain. Ah. Ah. Allez, vas-y, Guillaume, frappe, vas-y. Ah. Bon, mon plus gros péché... Bruit. Non, non, non. Parle. Jean-Pierre. Jean-Pierre, calme-toi. Jean-Pierre. Mais fouette, Guillaume, écoute. Comment ah, Jean-Pierre, tu veux fouetter, non, mais, toi? Parce que dans le fouet, il faut l'envoyer faut, derrière. Faut le manipuler, ouais. Il faut faire claquer, là. Je sais pas, c'est quoi. Jean-Pierre, insulte-le en allemand, vas-y, lâche. Tu vas le parler salope. Dis non. Tu vas le dire salope. Perry, dépêche-toi d'avouer ton péché parce que ça va mal tourner. Je fais meilleur frère. Jean-Pierre, caresse-toi en même temps. Perry, avoue ton péché. Non, non. Ah, écoute, alors on peut un péché, un gros péché, là-bas aussi. Un gros péché. Qu'est-ce que j'ai fait d'horrible? Tu préfères juste être fouetté sans avouer le péché? Je crois. Oui. Jack
accueille maintenant Simon Liberati. La même chose pour moi. Ouais, hey. Laisse tomber. Eh ben, ça va aller. Il craque, il est tard hein, pour lui. Hein. Ah oui, elle était parfaite. Elle était pile. Il se couche beaucoup plus tôt. L'homéopathie, ça fait deux. Ah non, elle était pile au bon endroit. Alors, non. Simon Liberati, votre premier roman, Anthologie des apparitions chez Flammarion, fait beaucoup parler. Je dirais même que tout le monde en parle. C'est le cas de le dire. Voilà. Alors, le pitch, je vais le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas une blague. Bien, alors, le pitch. Attends, t'es son éditeur, toi. Non, mais j'ai une telle admiration pour Simon que je ne. Ça paraît louche. Je ne peux pas m'exprimer sans pleurer sur son livre. Donc, ouais, non, mais c'est un très beau livre, bien sûr. Alors, je fais le pitch, d'accord? Alors, c'est l'histoire de Claude et de sa sœur Marina. Durant la Dolce Vita des années 70, le Palace, le Studio 54, Saint-Tropez, Ibiza, voilà. Et aujourd'hui, quand le livre commence, Claude touche le RMI et Marina a disparu. Voilà, c'est le pitch. Et il passe son temps à se demander où elle est et il passe son temps à se remémorer la bonne époque. Voilà, donc c'est l'histoire de Claude, de Marina, et puis elle est riche, et puis elle a la drogue, et puis elle a la frime. Et tout ça fait une espèce de. C'est un livre sur la grâce. C'est un livre sur la grâce et sur cette gloire que certaines personnes ont à l'âge de 15-16 ans et qu'elles ne retrouvent jamais. C'est proustien. Sauf que c'était des gens qui n'avaient pas vraiment le sens des réalités, donc ils ne comprenaient pas très bien comment ça pouvait fonctionner. Et il y avait des tas de gens qui tournaient autour d'eux comme des espèces de. Comme des papillons autour de la lampe, voilà. Et puis bon, finalement, ils se sont fait bouffer, alors que la lampe, en général, elle bouffe les papillons. Eux, les ils se sont fait bouffer par les papillons, quoi. Voilà, alors, on pense évidemment à Ingrid Cavan de Jean-Jacques Chou. Tout de suite, moi. Toi, non, mais... Si, mais immédiatement, ça saute aux yeux. Ouais. Alors, la référence est très forte. Pourquoi vous avez édité ce bouquin, Frédéric? Pour l'argent, déjà. Non, c'est... Éditeur, c'est un métier très pénible. On lit beaucoup de choses... pas terrible. Et quand j'ai lu le texte de Liberati, je me suis dit, ce métier est une chance. Ce métier est un honneur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oh là là. Frédéric, je sais que c'est tout ce que vous avez à dire, mais... Toute la critique littéraire l'a salué. C'est vrai. Il n'y a pas un journaliste qui n'ait pas été inspiré. C'est vrai. C'est-à-dire que des types qui, d'habitude, écrivent peut-être pas des articles passionnants, se mettent à écrire mieux en ayant lu son livre. Le talent est contagieux en ce qui le concerne. Voilà, bon, moi je vous dis, je sais pas, je trouve que c'est fantastique que vous l'ayez invité. Qu'il soit venu. Il est très tard. Non, mais c'est important aussi, parce que... Mais en même temps, il aime se coucher tard. Non, mais c'est... Bon, je pense que peut-être dans quelques décennies, on continuera de lire son livre. Et nous tous, on sera oubliés. Oh, j'avais d'autres projets, moi aussi. Hein. Quel conseil vous lui donneriez, Frédéric, à Simon Liberati? De continuer à vivre. Ah, c'est gentil, ça, oui, parce que c'est pas toujours ce qui ressort. C'est très charmant. J'ai eu beaucoup de textes magnifiques, etc. Mais j'avais l'impression que c'était un peu des éloges funèbres. C'est vrai que ça, mon livre étant assez négatif et donnant une image assez positive de la destruction, on pouvait penser que, bon, voilà pourquoi il est là, essayer de vendre ce bazar
qui, après tout, n'est qu'un appel à se jeter par la fenêtre, hein, quand même, malgré tout, hein, quand on le lit. C'est un peu là. Enfin, je crois que c'était il y avait une certaine forme d'esprit à cette époque qui constituait à penser que il fallait y aller à fond et voilà quoi. Donc c'est le livre un peu qui rend hommage à un certain nombre de gens qui sont plus là forcément. Il y en a certains qui ont disparu, il y en a certains qui sont encore là mais qui sont plus vraiment vraiment aussi jolis qu'ils étaient à l'époque voilà, c'est une sorte de, enfin c'est pas un hommage funèbre hein, mais c'est une forme de lyrisme un peu nostalgique mais pas enfin voilà, j'ai pas plus je rends hommage à un certain nombre de personnes qui sont plus là quoi. Et maintenant on passe au musée. Limité d'avoir pour commencer le mec qui présente son émission de télévision pour la première fois. Ah, bon. Eh bien, bonsoir, messieurs et mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je suis très content de... Où est la caméra? Il le fait bien, non? Oui. Alors, moi, je trouve qu'il le fait mieux que moi. Alors, tu l'as appelé Lucien comme ton vrai prénom? Oui, je m'appelle Lucien. Tu t'appelles Lucien et lui, tu l'as appelé Lucien. Tu veux qu'il soit peintre ou écrivain? J'aimerais qu'il fasse les beaux-arts. Ah, comme toi. Je lui apprendrai le piano. Tu voudrais qu'il peigne ou qu'il écrive ou qu'il fasse de la musique ou qu'il fasse les trois? Peut-être archi. Archi. Architecture. Voyons, on va se marrer ce gamin. Mais non, mais s'il n'aime pas ça, il n'est pas les foutre de bas. Tu l'obligeras pas. S'il veut être expert comptable, par exemple. Alors là, il aura mon coup de poing dans la gueule. Mais avec tout ce que tu t'envoies, t'avais pas peur qu'il soit un peu mongolo, Lulu, non? Qu'est-ce qu'il est fou, c'est... Fou allié, hein. T'avais pas peur? Il est mignon, quoi. Ah non, mais je sais qu'il est très bien, mais imagine, t'as pas eu peur? Non, quand il est né, tout ça, t'étais pas flippé. Les yeux de bambou. Oui. Ma bouche pipe. Ouais. De son père ou de sa mère? C'est fini, oui. Tu vas encore faire beaucoup d'enfants comme ça? C'est le dernier. C'est le dernier. Faut pas déconner. Et alors, imagine que tu repars à zéro, là tu remets les compteurs à zéro, t'as 0 ans, comme Lulu. Et puis, tu préférerais quoi? Avoir le Goncourt ou être numéro 1 au top 50? Tu sais, au Goncourt, il y a tellement de connards actuellement. Et dans le top 50, il y a que des mecs bien, c'est ça que tu veux dire? Exact. Et si t'apprenais que Charlotte se shootait un jour, ça te ferait quoi? Eh ben, je me tue. Tu te tues? Je prends une overdose de... De perno? Non, une bastose dans le... Tu supporterais pas ça? Inadmissible. Inadmissible, voilà. Je suis sérieux, là, hein? Bah oui, on t'écoute tous, là. Sérieux. Inadmissible. Elle me tue, elle. C'est elle qui me tue. Qui me tuerait par personne interposée, mais Charlotte ne se shootera jamais. Serge Loupien, combien pour le titre de VSD? 5. Oh. Pourquoi? Parce que j'aime pas du tout le terme beurre. Ah bon? Oui. Comme Farid Chappell, il n'aime pas. Comme, ouais, exactement. Comme Farid, il dit toujours, moi je suis un arabe français, mais je suis pas beurre. Donc 5. 5. Et c'est généreux. Ouais, parce que quand on n'aime pas, c'est généreux de mettre la moyenne, oui, c'est sûr. Et combien pour plus dur sera? 5. Pourquoi? Bah parce que c'est la campagne anti-drogue, il y a un côté qui m'agace un petit peu dans son aspect terroriste. Je veux dire, la drogue, c'est l'alcool et tout ça, c'est aussi du plaisir. Et ça, on ne le dit pas. Il faudrait quand même que les gens aient tous les éléments en main et pour être à même de juger après. Alors, c'est vrai que la drogue, c'est de la merde, mais c'est de la merde à longue échéance. Et je trouve que c'est bien que les gens sachent exactement. Petit gars, tu te plantes parce que la drogue, c'est la mort à... C'est pas à longue échéance comme mon tabac. Moi, je suis à longue échéance, puisque j'ai bientôt 58 ans. La grande drogue, c'est une mort à échéance immédiate. À
Là, tu te plantes, mon petit. Il y a des grands drogués qui se portent comme des charmes. Enfin bon, je défends pas la drogue, mais je veux dire, j'estime que les gens doivent avoir tous les éléments en main et être à même de juger eux. Donc vous êtes... Et les petits gamins qui n'y connaissent rien, hein? Et on injecte dans le Coca-Cola, dans les lycées. Non, mais ça, c'est dans la presse à sensation. C'est... Non, c'est la vérité. Non. Merde. Moi, je veux pas que Charlotte se shoote. Je ne veux pas que Charlotte se shoote. Je ne veux pas que Lulu se shoote. Ta carrière, très fournie, on verra ça tout à l'heure. Est-ce que ça te laisse le temps de t'occuper un peu des dames, quand même? Bah oui, ça, c'est un truc, par contre... dont je m'occupe le plus possible. Le plus possible. Oui. Alors j'ai lu dans une interview que des fois sur scène, ça durait tellement longtemps, t'étais tellement bien que t'avais des éjaculations sur scène. C'est vrai ça? Ou c'est la journaliste qui avait inventé ça? Non, ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé. Mais j'étais vraiment bien ce jour-là. Ah bah oui, il faut croire, hein. J'espère que ça va t'arriver aujourd'hui. En tous les cas, c'est bien, tu réponds avec une grande franchise. Le plus mastoc. Un pervers le plus pervers. C'est là-dedans. Voilà. Ouais. On y va. Et ils y vont dans l'enveloppe l'indice, à l'adresse de la planque d'Yves Simon, un hôtel de la rive gauche. Ben voilà. Ça va, feignasse? Tu fatigues pas trop, là? Les enfoirés. Ouais, les enfoirés. Allons-y, tendant. Simon. Ça vient d'où, ça? Ça vient de l'est de la France et du un peu plus au sud aussi. Ça veut dire quoi, ça? Ma mère était juive et mon père était acrobate. C'est bien. Joyeux mariage. Allez, viens ici. Ah non. T'en fais pas pour lui. Allez, viens ici. Allez, remonte. Mets-toi à genoux. Ah, les ordures. Allez, est-ce que t'as... Alors maintenant, on te demande, est-ce que... Ah, les sœurs Étienne, vous savez manier la... T'as déjà eu des rapports homosexuels? Non, jamais, ni avec Le Pen, ni avec la main. Écoute un peu. Elle a eu combien de mecs, ta pépé, avant toi? Je sais pas. Mais sauté combien de fois avant toi, la nuit? Tu veux dire, c'est délicieux. Invitez-la à votre charmante émission. Je suis charmante. Le Pen ou Marchais, quel fascisme tu choisis, toi? La réponse. Je ne dis rien, je ne dis rien, j'ai pas envie de vous le dire. T'as peur d'un contrôle fiscal? Absolument pas, j'en ai rien à foutre, mais j'ai pas envie de vous le dire. T'as pas envie de répondre? Non. Bon ben Jean-Luc, je veux dire. Allez, viens ma fille, viens. Ça va mieux là, hein? Lâche-moi. C'est ça, là... Bon alors la politique, tu vas voter pour qui en 86? Je chie rien. Tu vas voter pour qui? Je ne dis rien. Tu vas voter pour qui? Bon, on y retourne, vous voulez? Non, on verra ça plus tard. Ouais, tu vas voter pour qui? Tu vas reprendre la ticket tout à l'heure. Je ne dis rien. Pourquoi tu feras des films toute ta vie? Comme Simone Signor, elle, plein de rides comme ça à 70 ans. Tu continueras, tu penses? Bah ouais, bah, chacun a 70 ans un jour. Hein. Mais un maximum d'argent tout le temps. On n'est pas obligé d'être flic non plus. T'es pas obligé de prendre la main sur la gueule non plus. Bah vas-y. Dis donc, Mimi, avec tes beaux yeux, là, t'as dû avoir pas mal de propositions de PD, non? Mais arrêtez avec vos questions. Quoi, arrête? J'ai pas envie de répondre. Je vais te montrer, moi. Tu vas répondre, ouais. Et quand tu baisses, t'éteins la lumière? Pas toujours. Pas toujours. Tu baisses plutôt sur la table de la cuisine ou dans la salle de bain? Mais il n'y a pas de règle là non plus. Il n'y a pas de règle? Non, j'invente. Tu baisses pas les filles qui ont leurs règles. Est-ce que tu baiserais une fille qui a ses règles? Oh, vous êtes dur. T'aurais vraiment envie de baiser? Est-ce que tu l'as déjà fait? Tu baiserais une fille qui a ses règles? Oh, vous êtes dur. Ça va passer vraiment à la télé? Ça va vraiment. Tu l'as fait ou pas? Alors explique-nous ce que ça fait de mettre des capotes.
Ça réduit le plaisir, ça fait mal, ça irrite. Ça réduit le plaisir. Donc tu préfères attraper le sida que mettre des capotes, c'est ça? Non, est-ce que la seule solution pour pas attraper le sida, c'est de mettre des capotes? Quel temps est dans la merde, alors. Tu vis dangereusement, hein. Mon camp m'a une fait saigner. Je réclame un gros plan sur le doigt. Elle saigne. Ils m'ont fait saigner. Elle a ses règles, c'est pas grave, on continue l'interview quand même. Allons-y. Ils sont totalement immondes. Ça me rend tellement triste de vous voir là-dedans. Ah ça, la police, c'est pas les violettes. Insalubre. Moins bien lotis que les bandits et vous les avocats. Vous auriez dit quoi? Vous aviez envie de faire quoi avant? Quand on était petit? Ouais. Non, on voulait sauter Karen Sherry, là. C'est pas vrai. Ouais. Et maintenant, on l'a vu, on n'a plus envie, tu vois. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Tu n'as pas dit la scène particulière, regarde là en lumière. Tu vois? Regarde, plein de boutons sous la peau, ouais. Sous le maquillage. Ouais, quelques petits boutons. C'est alors, c'est quoi ça? C'est toujours ces boutons là? C'est le foie ça. Non, non, ça c'est parce que je savais que j'allais vous rencontrer. T'as picolé ou quoi? C'est possible. Non, non, je picole pas. Mais tu as toujours ces chroniques, ces boutons, tu les as toujours? Ça? Ouais. Non, ça m'arrive juste au... C'est un stress, tu vois. C'est quand t'es rentré sur scène, ça te fait ça? Non. T'as pas le stress à monter sur scène? En fait, tu veux vraiment savoir? Oui. C'est quand je vais avoir mes règles. Ah! Voilà, une bonne règle. Quand je vais avoir mes règles, j'ai toujours été. Voilà. Il est comment? Il s'appelle Mario, il s'appelle comment? Alberto. Comment tu le sais? Non, allez. Non, comment tu le sais qu'il s'appelle Alberto? Parce qu'on est renseigné. Ah! Il s'appelle comment? Alors Alberto? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Bon. Oui, il s'appelle Alberto. Il fait quoi? Il travaille dans la mode. Il est styliste? Non. Il a des magasins. Ah, il est PD alors? Écoute, jusqu'à présent, ça va. Donc, il s'en sort bien. Il fait les deux. Il est PD hétéro, alors. Avec moi, il ne fait qu'une seule chose. Il est hétéro. Et puis, s'il fait PD par derrière, c'est pas grave. Il fait PD par derrière. Mais dis donc, t'es plutôt le sentiment d'être clitoridienne ou vaginale comme fille? Je pense tous les deux. Tous les deux? Ouais, ça dépend. Tu penses? Tu vois, je veux dire, quand ça va pas d'un côté, mieux vaut essayer de l'autre. D'accord. Tu sais. Donc, t'es... Et tout à fait de l'autre. Et anal aussi. Non. On touche pas mes fesses, hein. Attention, Didier. Et au platine, j'accueille l'homme qui a fait les graphes, qui a fait tous les graphes qu'il y a dans ce studio, Ramzy, mon frère. Ramzy, bonsoir. Voilà, Ramzy, tu as fait une sélection d'enfer. Et là, vous connaissez le principe, donc je veux l'interprète. Hein. Donc au départ, il y a deux équipes. Il y a l'équipe de Grace Jones contre l'équipe de Chirel. Et puis après, il y aura la série des bancos avec chacun pour sa gueule. Tout le monde connaît l'histoire. Tu es prêt, Ramzy? Je suis open. Bah, on voit le premier morceau. Je veux l'interprète, attention, l'interprète. Attention, Ramzy. Qui a dit Cyndi Lauper? Nous. Ah, moi j'ai envie, c'est Jamel. Jamel. Je crois, non, attendez, je crois qu'on a besoin d'un petit replay. Interprète, attention, Ramzy. Serge, c'est... C'est qui? Ex-Echo. Jean-Luc Creshman. Jean-Luc Creshman, Paul Ogoud l'a dit en même temps. Donc ça fait Méline, ça fait un point partout, voilà. On commence très proprement avec un point partout, voilà. Et maintenant, je dis Ramzy, deuxième morceau. Attention. Prêt? Ouais. Eh, hey, Soulerne, il est pas de Jamel. C'est un arabe. C'est un arabe. Je me dis, c'est trop. Comment c'est un arabe? Me dis. Monsieur Dam-Dam. Oh, that's
connais. Viens, 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 viens ici, viens ici. Je crois que ça va donner le point à l'équipe de Grace Jones. Ah oui, parce que comme c'est quelqu'un de ce côté-là. The Clash, moi, Bibi Casbah. Bravo! Méline, ça fait un point pour l'équipe de Grace Jones, puisque c'est quelqu'un de ce côté-là qui a répondu. Je demanderai simplement au public. Ah ouais. Genre, je vais signaler. Attends, il y a le public qui joue. Non, attends, non, je veux signaler au public. Attends, mais on a le 55. Je veux signaler au public. Non, non. Ah, je veux signaler au public que si vous répondez avant les invités, le point va à l'autre équipe. Ah. Mais si les invités ne trouvent pas et que vous répondez, le point va à cette équipe, d'accord? Alors donc, ok, c'est clair. Ben là, le public a répondu de ce côté-là. C'est donc Grace Jones qui marque un point. C'est l'équipe de Grace Jones. Ouais, je sais. Attention, Jamel, concentre-toi. Non, mais attends, il me dit c'est un rebeu en même temps. J'avais jamais entendu cette chanson. C'est pas un rebeu, oui. C'est un remix. Attention, donc non. Maintenant... Non, non, je lui ai dit que c'était un rebeu, c'est Mustapha Dance. Ouais, ouais, ouais. Qui a remixé les Clash. Voilà, voilà. Il fallait pas dire... Alors voilà, bon, Ramzy, vas-y, attention. Bon, vous êtes prêts? Et là, bombardez, hein. Ouais. Alors... Ouais, Jamel, Jamel. Joue, 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 joue. On est à deux partout, attention, c'est très bagarré comme conteste ce soir. On passe au numéro 4, Ramzy, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a une erreur. Non, 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 il a dit le nom du titre. Et ouais. Quel est le groupe qui interprète ce morceau? Alors je veux le nom du groupe là, vite, 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 vite. Chut, taisez-vous. Oui. Personne. Ici, personne. Le public. Bravo, bravo. Vous marquez un point. Ray Parker Junior. Je vais redresser là-bas. Ça fait 2 points pour l'équipe de Chirel, 3 points pour l'équipe de Grace Jones. Vous voulez faire le malin? C'est ça que vous voulez faire? Au début, je voulais pas faire le malin. Ok, ok. Ramzy. Il y a un truc que je te propose là. Ouais. Parce que là, je vois que l'ambiance commence à chauffer. Mais moi, j'ai mes potes qui sont là-bas. J'aimerais bien qu'ils viennent. Bah, qu'ils viennent. Hé, les gars. Il y a toute la cité qui va arriver là. Non, tous les artistes de Dirty Music. Et là, ça va être beaucoup mieux là. Alors... Vite, la caméra. Alors, s'il vous plaît, les amis. Vous vous répartissez, voilà. Ouais. Vous jouez, ils jouent pas tes potes. Ah non. Ah ils jouent pas, c'est sûr. Ah hein. Non, ils connaissent tout. On se croirait à la Courneuve. Hey, Jamel, ça te rappelle le pays ou quoi? Je kiffe. Ouais. Ça va, bon. Dirty Dancing ou quoi? Connaissons bon. Notre amis en commun. Alors, Ramzy, maintenant, on passe au numéro 5. Voilà, attention. Chut. On souffle pas, les mecs, hein. Attention. Chut. Ramzy. Comme je l'ai dit, la platine ne marche pas. Arrête tes conneries. Je te jure. Ah, ouais, c'est de qui? La platine ne marche pas, c'est quel groupe? Je sais pas qui. Didier Barbolivien. Non, j'ai perdu mes clés. Ça marche pas. Appuie sur le... Méline. Ah. Gloria Stéphane. Ouais. Jamel Debout. Ouais.
Ils sont bien tes potes, Ramzy, ils sont très bien. Eh, hey, Dirty Music, c'est les plus forts. Ouais. Faut pas chercher. Ouais. C'est Gloria et Stéphane et Miami Sound Machine. Bravo. Attention, on passe au numéro 6. N'empêche que les trois ont glissé quand même, mais bon. Marvin Gaye. Ouais. Jamel. Eh non. Jamel, tu connais les réponses ou quoi? Mais arrêtez, Marvin Gaye, ça a barcé toute mon enfance. Vous êtes fous, quoi. C'est vrai, mec, c'était pas ça. C'était pas Marvin Gaye? Si, c'était Marvin Gaye. Non. Ah non. C'est quoi? C'était quoi? Colette Renard, pas loin. Ah, c'est quoi, ça? Ça, c'est Marvin. C'est très bien. Miami Sound Machine. Il y a une erreur. Ah, j'ai fait la réclamation, Thierry. Ah, moi, c'est Miami Sound Machine. Ça Ah non, mais ça, c'est parce que t'as triché, tu le savais avant. Attends, attends. Arrête tout de suite, Ramzy. L'embrouille. Là, vous nous faites une embrouille façon 9-3. Là, c'est l'embrouille. C'est l'embrouille. Hey. Jamel. Jamel. C'est l'embrouille Bobigny, là. Non, 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 non. La boulette. Vas-y, Ram. Il avait réclamé. Laisse tomber, laisse tomber. Je crois qu'on est débordé. Voilà, 4 points. Ça a commencé comme Marvin. Ça veut dire comme Marvin, mais pas Marvin. 4 points pour l'équipe de Chirel, 3 points pour l'équipe de Greg Jones. Attends, 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 attends. Vous insinuez que j'ai triché, c'est ça? Non, 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 non. Ramzy, Ramzy. Soutenez, soutenez, les gars. Ramzy, continue, continue. Non. Je vais, Patrick. Marvin, ouais. Marvin, il fallait repartir sur ça, non? Michael Jackson. Hey, j'aurais jamais dû faire un blind test avec des rebeux. Putain, mais c'est top. Je suis perdu. Bon, bon ça, c'est parti. Marvin, peu importe, ça, peu importe. J'en ai marre, toujours j'ai raison. Quoi? Non, Jamel. Marvin, c'était Marvin. Bon, maintenant, ok, alors. Attendez, non, 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 ça va. Méline, mets 4 partout, laisse tomber. Tu mets 4 partout. Voilà. Laisse tomber, Jamel. Je te jure. Bon. Vous êtes antisémite. Arrête de conneries. J'en ai rien à foutre. Trust, antisémite, tu perds ton sang-froid. Trust. Bravo, Laurent. Bien, attention. Non, ce que je propose. C'est parti. Attendez, non, stop, stop. Ce que je propose, c'est que là, maintenant, on est à 4-4 et tout. Tu mets la chanson numéro 7. Et tout le monde joue normalement, s'il vous plaît. Attends, mais qu'est-ce que c'est? C'est Dalida, la 7, c'est Dalida, la 7. Tout le monde joue normalement depuis tout à l'heure, je joue normalement. Il y a 4 partout. Vas-y, Ram, Ram. Tu mets la chanson numéro 7. Elle est pas mal. On est à la chanson numéro 9. Très bien, Richman, très bien. Bien vu. Étienne, j'ai une bonne recrue. Vas-y, Ramzy. Bon, en tous les cas, je sais pas qui gagne, pas mal, mais moi je me régale, vraiment. Et les mecs, ils arrêtent pas de glisser. C'est un bonheur, hein. C'est un bonheur. On continue, Ramzy. Continue. Rockwell? Non. Mais non, Art de rue. J'ai dit. Art de rue. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit. C'est Rockwell. Comment t'as menti, Jamel? Ramzy. Moi je Ramzy. Ouais. Après, c'est...
Hop, hop, hop. Je pense pas, non. Comment tu t'appelles? Comment c'est lui qui a soufflé. Comment tu t'appelles? Il s'appelle, comme le futur mari de Chirelle, il s'appelle... David. Bon, alors, Mazel Tov. Bon, moi, je David ne comprends rien, je n'ai pas les mêmes chanteurs, mais peu importe, en même temps, c'est de la musique, c'est de la bonne musique. Ça commençait pas comme FF. Ah non. Non, jamais. Non, ils ont samplé. Non, samplé. Bon, alors, continue, Ramzy, continue. C'est pour un inculte, on dirait qu'il y a un sample d'FF là-dessus. Bah non, c'est... La FF a repris l'ensemble. Bah c'est voilà. Portnoy. Voilà. Repris. Ouais. Ouais. Mais moi, c'est original. Bah non. Je t'ai mis l'original. Non, quand t'es dit. Je t'ai mis l'original. Bon alors. Ouais, l'original, d'accord. Bon. Eh, au fait, désolé. Hein. Maroc-Tunisie. Ouais, putain. C'est pas grave. Okay, Ramzy, dis-moi ce que tu veux qu'on fasse parce que c'est pas les mêmes titres. Ah non, c'est la suite là. Ah ouais, ouais. Tu bon. Continues la suite. Ouais. Ok, bon, vas-y. On est tranquille, pépère. Vas-y, tranquille. C'est le soir, c'est boîte de nuit, c'est discothèque. Ah, c'est ça, clair. Vas-y. Il est génial. Alors, il y a une autre version de cette chanson. Je voudrais que tu fasses quelques pas de danse sur scène, sur cette musique, parce que je t'ai vu danser dans ton spectacle. Attention, il est énorme quand il danse là-dessus. Attention. Je danse comme les petits robots au Pacifique. Voilà, on s'en fout du blind test. On s'en branle du blind test. Attention, Jamel Debbouze. Jamel Debbouze. Bon, attends. Ramzy. Non. Alors, je vais te dire, maintenant, on va passer directement au banco. Au banco. Hein? On passe au banco. Ah. On passe au banco. Donc, tu vois, on va pas y arriver. Donc, Méline, tu effaces ton ardoise. Ah, voilà. On a niqué le blind test. Ouais, mais c'est bien. On passe au banco. Tous. On passe au banco. Tous, on a niqué le blind test. Alors là, il n'y a plus d'équipe au banco. Il n'y a plus d'équipe. Tous, on a niqué le blind test. C'est chacun pour sa gueule au banco. Bon, attention, tu es prêt? Non, attends. Vous voulez faire un blind test? Tu peux aller sur le blind test? Moi, oh là, je reste pas pour le banco, ça sert à rien. Mais arrête, Jamel! Mais Jamel! Jamel, reste pour le banco! Mais enfin! Tu m'as piqué mon bouquin en plus! Alors, le banco. Non, heureusement, j'étais là, Dirty Dancing, sinon vous aurez niqué le blind test. Alors, le banco, vous connaissez le principe. On me dit qu'il faut refaire l'amiral de Gaulle. Thierry, on reprend à la 12. Non, laisse tomber, fais-moi les bancos, non, je te jure. C'est vrai? Je te jure, non, laisse tomber, fais-moi les bancos, là, vous avez niqué le blind test. Mais... C'est pas moi, c'est Jamel. Non, mais je sais, mais bon. Niqué le blind test. Ouais. Fais-moi le replay. Le replay du dernier. Non, fais-moi les bancos, et les bancos, vous connaissez le principe, c'est chacun pour sa gueule, donc là, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion possible. Donc pour toi, c'est la 14. Vas-y. Attention, je veux l'interprète. Il n'y a plus d'équipe, là, c'est chacun pour soi. Vas-y, Ramzy. Vas-y. Vous êtes prêt? Ouais. Sûr? Ouais. Certain? Ouais. On est parti? Ouais. Jamel, tu triches pas? Ouais. C'est vrai? Ouais. Raph! Ouais. Laurent Baffy, tu l'as dit aussi. Donc qui a marqué Laurent Baffy, ok, on continue. D'accord avec moi. Ah bon? Il a dit Daft Punk. Tu sais quand est-ce qu'il a dit Daft Punk? Il a dit à la première seconde. Il a dit Daft Punk hier.
Comment il a comment ils m'ont niqué le blind test. Hier matin, à 11h20. Allez, hier, il avait dit. Comment ils m'ont niqué le blind test. Et Claude Nougaro dans tout ça. Et Claude Nougaro, oui. Ouais, ouais. Bon, attention, super banco. C'est vrai que c'est pas possible de faire un laisse tomber, test, on joue. Laisse tomber. Ah. Ah. Pas mal de volume. Blondie. Ah, quoi. T'es qu'une autre nuque. Oh, alors les galéros là. Eh, c'est exprès. On va quand même, c'est brouilleux. Nous garons. Ah, t'as mis le qui non. Chante ça, c'est Pump Up the Volume. Qui chante? Christian Slater. Donnez-moi le titre. Non, il a faux. Hein? Non. T'as faux. On remballe. Non. Joyce remballe. Hein? Express. Non. Mars. Ouais. Ah, j'ai gagné le super banco. Comment tu t'appelles? Hey, la dernière fois je suis venu, j'ai gagné le super banco. Je reviens une deuxième fois, je le gagne. Ah, il est trop fort. C'est lui. C'est lui bon, qui comment tu t'appelles, Randy? Ah, il est trop fort. Bon, maintenant le méga banco. On compte plus, Méline. Laisse tomber, on compte plus. Excuse-moi. Le méga banco. Chef! Michael Jackson. Non. Qui chante ça? Sugar Hill Gang. Ah merde, je vous ai donné la réponse. Mais là, tu me regardes, tu me dis qui chante. Bon ben, attendez, maintenant. Non, il n'y a plus qu'un truc maintenant. Il n'y a plus qu'un truc, tu le dis pas. Il n'y a plus qu'un truc, c'est l'ultra. L'ultra banco. Très bien, Méline, l'ultra banco. Un message de l'huissier du jeu qui vient de démissionner. Hein. Maître Jonath. Maître Jonath a démissionné. Attention. Eh, hey, celui qui trouve, je lui fais une visite guidée du 18e. Voilà. Je connais que ça. Celui qui trouve, je connais que ça, je connais que ça. 18e. Non. Putain. C'est un coup de temps. Ah, putain. Oh, c'est qui chante ça. Ah. Bravo. Quoi. Je lui fais une visite guidée du 18e. Trop fort. Trop fort. Il fallait le trouver. C'est vraiment très fort. Qui chantait? Il s'agit de François Feldman, le grand. Mais comment tu peux connaître ça par François Feldman? L'encyclopédie de la funk, c'est moi. Ah putain, t'es trop fort. Ah non, c'est pas vrai, c'est DJ Bilou. Je crois que tout le monde aura compris que tout le monde a gagné, tout le monde a perdu. C'est un peu comme l'école des fans de Jacques Martin. Voilà, merci Ramzy, t'as bien niqué le blind test. Ah non, sérieux, il y a Jamel. De toute l'histoire du blind test, celui-là. C'est le plus pourri de tous les blind tests. Jamel, t'as raison, c'est le plus grand blind test qu'on ait jamais vu. Complètement destroyé, mais très sympathique. C'est clair, Ramzy, quand même, malgré tout le dirty dancing, mon frère, lâche rien, 18 c'est mon enfant. Voilà, c'était tout le monde en parle. Let me hear you scream. Bullshit, motherfucker. Now, fellas, I ask you, if you want a little head this evening, let me hear you scream. Bullshit, motherfucker. Now, fellas, I ask you, if you want a little head this evening, let me hear you scream. Bullshit, motherfucker. Motherfucker.
$5. I ask you, if you want a little head this evening, let me hear you scream. Uh-huh. Woo shit. Motherfucker, 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 motherfucker. Woo shit. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.